Capoter dans cette pute de radio RBS, Hip Hop from Alsace. C'est C-Boy pour radio RBS. Au revoir, merci. 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 Shout out to Radio RBS in Strasbourg. Right now, you about to listen to Malouz to Brooklyn. Hip Hop from Alsace. Peace. Sur RBS. Don't shoot sur RBS. FF. Je parle des trucs que je vois chez moi, c'est que libère mes pensées. La mixture, mon groupe. Les rues de ma vie. HLM, cité en peur, polygone, neuf, les rues de ma ville. Serrurier, Vestring, les rues de ma ville. Strasbourg. Yes, Saint- tu veux du bon sens, c'est ici que ça se passe. RBS, roulez. Les rues de ma vie. Et bonsoir l'Alsace, vous êtes bien sur 91.9 Radio RBS et sur Radio Quetch dans le Tsungo. On est le samedi 14 septembre 2019 et on vous souhaite la bienvenue dans la deuxième saison de Hip Hop From Alsace. On vous rappelle le concept de l'émission, c'est mettre en avant le rap et beatmaking produit sur les territoires alsaciens ou par des alsaciens dans d'autres régions du globe. Tous les fonds sonores de l'émission sont également des produits locaux. Par exemple celui que vous entendez actuellement, ça vient du rappeur et beatmaker strasbourgeois Sylab S-Y-L-A-B. Une partie de l'équipe Hip Hop From Alsace est présente ici avec Ophélie déjà. Comment ça va Ophélie? Ça va bien et toi? Ça va très très bien. Alors Ophélie, tu es une nouvelle recrue du mercato de Hip Hop From Exactement. Alsace. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots? En quelques mots, ça pourrait être très très long. Écoute, j'ai démarré ici il y a maintenant 7 ans. Ouais. 7 ans, je faisais les flash infos dans le morning de Talerie. Aïe. Après, il y a eu l'émission avec Annabelle, Mrs. Où on recevait, c'est un peu le même concept que toi, mais sur une heure. Ok. Et après, voilà, la vie a fait son cours et maintenant me revoilà. Ça marche, ça fait plaisir. Il y a Lucas qui est là dans le studio aussi. Comment tu vas? Très bien. Et toi? Très très bien. Est-ce que tu peux te présenter aussi en quelques mots? Alors t'as déjà fait des chroniques la saison dernière, mais là ça a été, tu roules avec nous pour toute la nouvelle saison et ça fait grave plaisir aussi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Eh ben, je m'appelle Lucas. J'ai 45 ans. 45 ans, ça se voit ouais, pas. Grave. C'est un. Je dis plus. Ouais, mais au début je disais que j'avais 65, mais les gens ne croyaient pas. D'accord. Du coup j'ai réduit à 55 et ensuite à 45, c'était mieux. Et du coup, je vais faire essentiellement des chroniques sur les concerts à venir en Alsace, voilà, okay. Sur différents artistes qui peuvent m'intéresser ou que j'écoute de ça manière marche. Générale. Sur notre référent événement, sur exactement. Ça marche. Et t'aider aussi sur l'agenda des sorties. L'agenda notre des sorties référent événement, à venir. Excuse-nous. En tout cas, gros exactement. Big up à Ouch, bien sûr, qui a pas pu se libérer aujourd'hui, mais il sera dans les prochaines émissions avec le retour de ses chroniques humoristiques en fin d'émission. On espère que le nouveau jingle que vous avez entendu, il vous a plu. Il a été produit à Célesta par le chroniqueur, rappeur, beatmaker et ingé son Phoenix, qui a malheureusement pas pu être présent dans le studio ce soir, mais grâce à l'incroyable technologie de RBS, on l'a normalement par téléphone en duplex. Est-ce que tu nous entends, Phoenix? Yes, je l'entends, 5 sur 5. 5 sur 5, parfait, comment tu vas? Salut Pierre, salut à toute l'équipe, comment vous allez? Très bon, très bien. Ça va et toi? Qu'est-ce que tu fais dans le coin de Colmar? Pourquoi tu n'es pas à la place Kléber? Ah, j'ai pas pu venir parce que je bosse aujourd'hui, j'ai pas pu me libérer. Problème de planning, malheureusement, mais le cœur y est quoi. Le cœur y est, bien sûr. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment t'as produit le jingle qu'on s'est écouté avant avec des extraits de drop de Al Capote, de C-Boy et j'en passe? Eh ben, on partit grâce à toi, Pierre. Mais c'est vrai qu'on l'a fait ensemble, mais c'est voilà. Toi qui a cuisiné, Pierre, on va dire, à l'ordi, quoi, parce que moi, j'y connais rien là-dedans. Voilà, Pierre nous a fourni les fichiers audio grâce aux dernières entrevues qu'on a pu faire avec des artistes et à d'autres qui ont été envoyés directement sur les Hip Hop Alsace. Et voilà, on a mijoté ça sur les machines et ça a donné ce que vous avez pu entendre. Voilà. Ça marche. Ça vous plaira. En tout cas, grosse force à toi, merci pour le jingle et on te retrouve dans la prochaine émission, j'imagine.
je serai là la semaine prochaine sans aucun problème. Voilà, j'aurais bien voulu venir, franchement, pour la première de la saison 2, mais les auditeurs vont être entre deux bonnes mains. Ça marche. Bon, en tout cas, bon courage pour le taf, force à toi, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bah ouais, nickel, bonne émission à vous et bon week-end Strasbourg. Merci et gros big up à l'émission d'ailleurs Flashback de DJ Malka qui vous a ambiancé à l'ancienne avec une heure de funk et une heure de old school comme tous les samedis. Et rien à voir, hein, mais grosse force aussi aux joueurs du Racing Club de Strasbourg qui sont en train de batailler au Parc des Princes contre le PSG. Je connais pas encore le score, mais ça va être difficile. Ils vont gagner, en tout cas, ils vont gagner, c'est sûr, bien sûr. En tout cas, maintenant c'est parti pour la première saison de la saison 2 de Hip Hop From Alsace, à savoir l'édition numéro 36 jusqu'à 20h. Gros programme aujourd'hui avec dans l'ordre le petit agenda des sorties rap DJ de la semaine sur Strasbourg, suivi d'une nouvelle chronique qui se fera mensuellement, c'est la chronique Biggest, avec aujourd'hui Alexia et Noémie. À 10h45, on aura le rappeur strasbourgeois Sparrow in the building avec son équipe en live and die pour une interview et du freestyle, et le tout sera parsemé comme d'habitude, si vous connaissez l'émission, de bons sons de la région sortis durant cet été. Il y en a eu plein de sons de la région, puis ce sera au tour de DJ Smooth et le OG DJ Stan Smith qui prendront le relais bien sûr à 20h avec l'émission Turn Up. En tout cas, on espère que vous avez passé un bel été des Knekkers. On est très heureux de repartir pour une nouvelle saison jusqu'à juin 2020. Merci beaucoup pour vos nombreux retours sur les réseaux sociaux. On rappelle qu'on est quotidiennement actifs sur Instagram pour relayer bien sûr les sons 100% from Alsace. On vous fait découvrir toutes les nouveautés en hip-hop local. N'hésitez pas à aller checker notre page et si vous kiffez, bah vous abonnez bien sûr. Et on va commencer cette playlist justement avec un Mulhousien, c'est Narf. Narf qui a sorti, alors c'est pas vraiment un son pour une fois, c'est un one shot de 1 minute avec 1 minute de rap. C'est un concept sur Instagram que vous devez peut-être connaître, et en gros c'est 1 minute, et en 1 minute il rappe, c'est très rapide, faut rester concentré, ça parle d'écologie, ça parle de réseaux sociaux et tout ça en 1 minute, c'est très fort. C'est parti, force à lui, NARF, 1 minute de rap sur RBS, bla. 1 minute de rap, Narf. Je pourrais parler drogue d'une pêcheresse, de la mode chaîne en tant que de molleur en détresse. On dit la tour va le délire écolo pour un sac Hermès. Croco sur le polo pour faire le beau dans une kermesse. Tout va péter comme avant que la terre naisse. 1-2-1-2 test zen, car ma poche ne connaît pas la fin de l'espèce. De liker des commentaires pour des postes placebo. Ya ya ya. Des larmes fontaines dans les villages où y'a pas assez d'eau. Ya ya ya. Le confort vaut de l'or, pour l'avoir on peut se casser le dos. Ouais là c'est trop qu'à voir toute la misère ailleurs dans un petit écran placebo. Ow. Je crois qu'il est trop tard, pour la forêt je roule un tronc d'arbre. Je ramasse les feuilles et gratte, mes textes restent en tête comme un mégot sur le trottoir. On atteint un stade, ouragan et tsunami, refaire le monde on pourra quand les poules auront des grilles. Des bouteilles à la mer avant d'être sous l'ami. On ne veut pas rentrer dans le moule mais son beau le temps, les jeans sur Insta. Fuck le globe demande se téléporte, hey. Le coup c'est pas le coup des sapes mais comment tu les portes. Une main sur la bouche, le courage a de la fesse. En vrai n'est fort que celui qui dans la dèche reste. Le courant passe, c'est ma phase EDF. La fonte des glaces c'est qu'une phase de DF. Le sport. Très lourd, ça va le Mulhouse, NARF. On va continuer avec Strasbourg et après ce sera l'agenda des sorties, la chronique Biggest avec le petit prince strasbourgeois. Le plus gros buzz de Strasbourg en ce moment, c'est bien sûr LA2RY avec son dernier son Beatles. On aime mettre le feu comme les Hallyday. J'suis dans le sale ego, moi dans des chats serrés. T'es un bon si t'es là depuis hors série. T'as vu son corps sur la bastos, y'a pas de surhomme. On enchaîne depuis peu mais j'suis grave serein. Les carrés grave serrés, j'veux plus que le 4 série. J'leur fais du sexe au Katsumi, noir comme la Katsuki. Ta mère j'peux faire zouker. J'suis dans le bâtiment, j'fais deux fois scal. Ma seule y'a workout, j'en ai des crampes aux doigts et j'encaisse. L'argent, la monnaie, les m'apaisse. Elle m'appelle Doudou au papy. J'la casse dans son lit, elle suit ses parents. Maintenant qu'y'a du buzz, il me suce la bite. À fond, j'le crois pas, c'est un fait. T'as vu l'état de mon fuite. Il est taché, méchant, t'as tout déchiré. Au, au. Ravitaille, cala ton pote. Redétaille, vend pas ta coupe. Les condés sans tête, ils enquêtent. Mais au premier tournant, j'tège la quête. J'ai un sac d'ennemis, j'fais du coup la houpe. Et toi, t'es qui? Négro, pour me dire, tu l'as fait. Quand j'veux, j'te fais. J'te savoure dans mon assiette, j'vais ce qu'il a fouille. C'est bibi pour bout du fil, j'le recharge le bord tout le temps. J'suis dans le 4-4, black mat, vite un thé. J'en ai vu putain avec cette teinture. Non, j'l'ai pas inventé, mais sur moi, t'as vu. Sur la vie de ta mère, sur moi, t'as pas vu. Allez, casse ton père, ça te remonte, t'es nul. J'le démarre le chrome, écoute ça, t'as trop mal déterre depuis chromosome. Faut la chop chromé, un coup de gaz lacrymo, on prend pas pour une crème. Patate dans le crâne, tu vois des étoiles, tout pas. Tu dois d'argent, j'ai l'écho, tu pas te bais. Ramène mes sous et ensuite on peut parler. On a des groupies comme les Beatles. On prend la monnaie comme les Beatles. On aime le succès comme les Beatles. J'suis dans l'habitacle, tout dans ta grande sœur. On a des groupies comme les Beatles. On prend la monnaie comme les Beatles. On aime le succès comme les Beatles. J'suis dans l'habitacle, tout dans ta grande sœur. Bédo, 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 bédo. Bédo, 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 bédo. Et j'suis dans le bendo, 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 bendo. Bendo, 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 bendo. Elle tire sur le bédo, 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 bédo. Bédo, 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 bédo. Et j'suis dans le bendo, 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 bendo. Bendo, 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 bendo. J'allume un joint, fuck tes pampères. Connu comme Pampidou, technique comme Dembélé.
Fan de frappe, tu baisses ton pantalon. Je passe même le pentagone, je tire dans la tête à qui. On leur remet des DM, bouse. Ils glissent comme patin sur la pelouse. En deux stupes, service à l'usine. 12h, je suis jobber du mois. J'ai dû buzzer l'une de vos cousines. J'avais 1000 coussins, mais c'est pas assez, et ça devient lassant. Vos rappeurs fâchés qui parlent des fachos. Méchant comme un tonton, c'est Larry, l'entêté. Déterre plus la tête, y'a personne pour m'éteindre. On bosse pour des gros sous, je veux manger et grossir la concu, j'engraisse. De leur côté, c'est la tragédie. Manger comme Dragi, puis j'ai fait du trajet là. On me dit Larry, sort ton projet, man. La sauce est délicieuse, je fais plus les délits de fuite. Et remplis mon sac et mon gobelet. Elle me dit Larry, t'es mon bébé. Mais je m'en fous, je calcule pas. Je lui laisse un vu et je reverrouille mon bigot. On a des groupies comme les Beatles. On prend la monnaie comme les Beatles. On aime le succès comme les Beatles. Je suis dans l'habitacle, tout dans ta grande sœur. On a des groupies comme les Beatles. On prend la monnaie comme les Beatles. On aime le succès comme les Beatles. Je suis dans l'habitacle, tout dans ta grande sœur. Bédo, 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 bédo. Bédo, 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 bédo. Et je suis dans le bendo, 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 bendo. Bendo, 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 bendo. Elle tire sur le bédo, 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 bédo. Bédo, 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 bédo. Et je suis dans le bendo, 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 bendo. Bendo, 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 bendo. Larry et Savan Delzo à Strasbourg. RBS à Strasbourg sur 91.9. Et on va commencer le petit agenda des sorties, c'est vraiment très très rapide aujourd'hui. Alors déjà ce soir au FAT à la Cruteno, il y a du bon vieux hip-hop avec Animal Shampoing, j'adore ce blaze, il est magnifique. Et le Strasbourgeois d'origine DJ P de 22h à 4h du mat gratuitement. Ce soir aussi un concert, mais c'est plutôt électro-funk hip-hop avec le beatmaker JSTN, d'ailleurs c'est le son que vous entendez derrière, c'est une de ses dernières prods. Il est en première partie, il sera suivi du groupe Strasbourgeois Cash Poney Club, ça se passe gratuitement à partir de 20h place Saint-Thomas. C'est le village en fait du festival européen du film Fantastique. Sinon, il y a un autre concert rap encore ce soir, c'est devant le musée d'art moderne à 21h dans le cadre de la fête du Cambouis. Retrouvez-y gratuitement le groupe strasbourgeois La Quatrième Roue. Et un concert rap qui a été annulé ce soir, qui a été prévu au bar Le Local à la Cruteno, mais en fait malheureusement ça a été annoncé hier, il y a eu une fermeture administrative, c'est temporaire, jusqu'au 20 septembre, pour, d'après les informations qu'on a, des nuisances sonores. En tout cas, grosse force à l'équipe du bar Le Local, un endroit qui met en avant des talents locaux depuis le tout début, et des talents un peu underground, alternatifs, en tout cas Le Local, on pense à vous, grosse force. Et on passe rapidement au vendredi 20 septembre à la Salamandre, il y aura le membre de la mythique Funky Family, DJ Gel, qui sera accompagné de DJ Q et Louis Vicious de 23h à 6h du matin, entrée à 5€. Et on en profite pour se faire un petit peu d'auto-promo, vite fait, bien fait, avec le retour de la soirée Punchline le mercredi 25 septembre au bar club La Culture, situé à côté du quai des Bateliers. Plus d'infos à venir sur un showcase en début de soirée, mais dans tous les cas, il y aura beaucoup d'open mic avec votre chroniqueur DJ James Dean, qui sera bientôt normalement dans l'émission, et il sera bien sûr ce mercredi là au platine, et il y aura des instrus de tous les styles et dans les styles peu ordinaires. Un méga punch sera offert à chaque MC ou Femcee participant, l'événement est en ligne sur Facebook. Punchline, mercredi 25 septembre, entrée au prix libre et ça commence à 20h. Et bien sûr, ça c'est qu'une petite sélection d'événements. Retrouvez tout ce qui se passe sur Stras, sur Cause Magazine ou sur Strasbourg Curieux. Et maintenant, on a le plaisir d'accueillir la chronique Big S, une toute nouvelle chronique qui a lieu dans l'émission qui sera mensuelle avec Alexia et Noémie. Salut, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va très très bien, un petit peu plus proche du micro. Ok, ça va là. Check ça one, va. Check one, check two. On entend bien, c'est bon. Écoute, on va parler aujourd'hui d'une rencontre, d'un événement qu'organise Big S. Yes. Mais je vais te laisser présenter déjà un peu ce que c'est Big S pour les gens qui ne connaissent pas, yes, etc. Pas de problème. Alors, comme il a été annoncé il y a quelques jours sur notre page Facebook Big S, bah Big S a fêté ses 1 an déjà. C'est passé vite. Et donc pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de ce collectif, donc Big S, ça se veut être un des porte-parole de la culture hip-hop locale, où on soutient au maximum la culture hip-hop à travers différentes actions. Donc ce qu'on veut, nous, c'est favoriser les rencontres entre artistes et mélanger les disciplines, donc la danse, le graph, le beatbox, le rap, le DJing. Yes. On veut recenser tous les artistes hip-hop locaux, donc pour ça on est en train de créer un annuaire où du coup on prend toutes les infos des acteurs principaux de la culture hip-hop à Strasbourg et dans les environs. Et on veut aussi informer le public sur ce qui a été fait de notre histoire, donc parler du patrimoine en organisant des street conversations où voilà, on invite quelques têtes de la culture hip-hop qui peuvent nous raconter comment s'est formé le hip-hop à Strasbourg.
Et puis aussi partager les événements de toute la scène hip-hop locale. Donc pour ça, on partage sur Facebook, sur notre page Biguest, je le rappelle. Et puis aussi via notre mailing list où on transmet à chaque fois à tous les artistes les événements qui se passent. Parce que ouais, vous avez déjà commencé du coup cette base de données, cet annuaire, ouais, ce qui vous permet de pouvoir communiquer avec eux directement et faire des connexions. C'est ça. Ça fait un an qu'on est dessus là et qu'on a aussi la mailing list où on transfère, où on transmet à toute la communauté hip-hop ce qui se passe dans la région quoi. Ok, donc, c'est grave cool. Voilà. Et là, le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'il y a la rencontre numéro 3 qui va avoir lieu le samedi 21 septembre. Donc, c'est samedi prochain. Notez-le-vous bien. C'est de 13h à 19h au Fossé des 13. Et je vais laisser mon ami Noémie nous en dire plus sur ce qui va se passer samedi prochain. Le temps de changer le micro. C'est voilà, bon. Voilà, c'est bon, je suis en deux, place. Un, deux, c'est parti. Bon, c'est okay. Bon, t'entends bien. Parfait. Nickel. Alors, donc, samedi prochain, au Fossé des 13, c'est ouvert à tous. C'est la première fois qu'on ouvre au public. C'est ça, parce que les anciennes éditions, enfin, les deux dernières éditions, c'était. Et au début, c'était plus entre nous, voilà, pour déjà découvrir un petit peu chacun le fonctionnement, échanger tranquillement. Et puis là, on décide d'ouvrir un petit peu à tout le monde, à tous les curieux, en fait. Il n'y a pas besoin de connaître forcément la culture hip-hop, mais de s'y intéresser. Mm-hmm. Et puis, on essaye de partager ça tous ensemble. Voilà. Faut dire aussi peut-être aux gens les Strasbourgeois ont l'occasion de vous connaître lors de vos street shows, ce que vous faites régulièrement aussi dans Strasbourg, rue des Grandes Arcades, près de la cathédrale. C'est ça, donc c'est des shows dans la rue de danse, etc. Et pour aussi un peu financer, donc avec un pot commun, le collectif, quoi, j'imagine. Exactement, donc c'est des shows de rue qui mélangent tous les arts en fait, du hip-hop. Donc il y a du chant, du rap, du DJing, de la danse. Yes. Donc on fait du beatbox, on fait des performances, voilà. Et l'objectif à chaque fois, en fait, c'est de récolter un petit peu des fonds parce qu'il faut louer la salle ou alors il faut trouver des fonds pour faire. Des goodies, les initiatives, plein de choses. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y aura un buffet à cette rencontre? Ça, c'est important. Alors, c'est la partie la plus importante en vrai. Ah oui, pique assiette, on appelle du ça. Monde, hein. Faut commencer par ça, hein, direct. C'est ça. Hein. Non, vraiment, alors là, l'objectif de cette rencontre, cette édition numéro 3, ouais, c'est vraiment de présenter la culture hip-hop et les artistes locaux un petit peu à tout un chacun et de continuer à créer les connexions entre les différents arts et puis les différents artistes de Mais du coup, la est-ce qu'il y aura un buffet quoi. Ou pas? On sait toujours pas. Donc le buffet, on préfère rien dire. Venez d'accord. Et vous verrez. C'est mystère. En tout cas, ce qu'il y aura, c'est que il y aura. Sinon, ramenez vos gourdes. Une belle animation. Il y aura des beaux moments. Il y aura plein d'émotions. Et ça, c'est garanti. Il y aura un quiz, donc pour présenter un petit peu la culture de manière ludique. Okay. Le but, c'est de faire participer chacun et pas d'être là dans un débat ou de transmettre de la connaissance, mais plus de susciter un petit peu les réflexions. Et puis il y aura également une jam pour permettre également à chacun de s'exprimer puisque c'est aussi au centre de notre culture. Et puis après il y aura des échanges informels entre tout le monde, les présents, quoi, tous ceux qui veulent être en action. Des connexions qui vont se faire. Si elle complète. Ouais, pardon, je me permets juste de rajouter un truc. La jam, elle va être un peu particulière puisque pour cette rencontre numéro 3, on veut vraiment faire échanger, qu'il y ait une interaction entre toutes les disciplines. C'est-à-dire que les gens vont s'inscrire en amont à la jam quand ils viendront à la rencontre. Mm-hmm. Et pour nous, le but, ça va vraiment être de faire des échanges entre danseurs, rappeurs, beatboxers, DJ, et que ce soit pas que des danseurs contre des danseurs ou rappeurs contre des rappeurs, mais que les deux soient mélangés et que ce soit un freestyle interdisciplinaire. C'est ça, ouais, faut insister sur le côté fédérateur de toutes les disciplines. Exactement, en fait, du hip-hop. Parce que par exemple, nous, à Hip-Hop From Alsace, on parle que de son, que du son, rap et beatmaking. Mais bien sûr, l'hip-hop, c'est pas que le rap et le beatmaking, il y a tout ce qu'il y a autour. Et du coup, dans dans le collectif Biguest, vous êtes combien à peu près dans le groupe? Je dirais une dizaine, quinzaine. Ouais. Vingtaine actifs. Après, il y a un noyau dur et après. Voilà, une majorité de danseurs quand même dans le noyau dur, je crois. Ouais. Ouais, après on essaie de. Mais c'est quand même très, très diversifié dans votre équipe. En fait, ceux qui veulent venir se rajouter, mettre leur pierre à l'édifice, la porte est ouverte. Les bras sont là et on est là pour. Biguest recrute toujours. Voilà, exactement. Et très important, je pense qu'on l'a pas encore dit, je me rappelle plus, mais c'est vraiment à 13h jusqu'à 19h au Fossé des 13. Soyez à l'heure, 13h. Samedi, ok. Samedi prochain, Fossé des 13, c'est Siru Finkbat. Mm-hmm. Et si c'est, jamais vous c'est avez besoin, le tribunal, il me semble. Voilà, exactement. Okay. Juste à côté. Et aussi, vous avez toutes les infos sur notre page. Là, on est en direct, donc si vous avez envie de venir regarder cette petite partie ou avoir toutes les infos, tout est sur la page Facebook Biguest. Et je rajoute, il y a Cyrielle qui te fait un schmutzpierre. Ah, bisous, Cyrielle. En direct. Cyrielle, donc une des fondatrices ou la fondatrice de Biguest, je sais pas. J'étais pas là au début. Une des fondatrices. Ouais,
une des fondatrices, grosse force à elle en tout cas. Force à elle, ouais. On big up toute la team d'ailleurs qui nous écoute ou pas, mais on les big up quand même. Et je me permets de rajouter aussi cette prochaine rencontre, elle l'a dit, mais elle est ouverte au public. Mm-hmm. Donc venez, franchement, n'hésitez pas à venir, que vous soyez acteur ou pas de la culture hip-hop, venez juste kiffer avec nous. Mm. Et, parce que ça va être un vrai moment de partage, d'échange. Donc voilà. Venez. Une bonne ambiance. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Et peut-être il y aura un buffet, peut-être pas, mais il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. C'est de venir. Ma foi, venez. Mais c'est bien. En tout cas, il y aura de quoi se nourrir, quoi qu'il arrive. Bah voilà, ça, on a information. Mais c'est bien le teasing, tu vois. Il faut venir pour voir. Ça marche. Bah, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, peut-être, sur l'événement? Love, unity and having fun. Merci pour votre accueil. Avec plaisir, c'est normal. Et du coup, sur l'événement Facebook, ça s'appelle comment? C'est Biggest, la rencontre, un truc comme ça, 3. C'est ça, tu tapes Biggest, la rencontre, 21-09-19, et normalement, tu tombes directement sur l'event. Ok. On va commencer à poster des petits trucs concernant le contenu de cet event à partir de ce soir ou demain. Donc, restez connectés, soyez à l'affût. Et puis surtout, venez, quoi. 13h-19h, faut céder 13. 13h-19h. N'hésitez pas à partager. Ça marche. Et au fur et à mesure de la saison, on va un peu expliquer aux auditeurs la chronique Biggest. Donc ce sera une fois par mois a priori à peu près, et vous nous parlerez des événements à venir, mais tout ce qui est hors musique en fait, hors DJ, hors rap beatmaking, ce qu'on fait déjà nous, et mais tout ce qui est danse, tout ce qui est graphe, tous ces trucs là. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur Strasbourg et alentour d'ailleurs, et ce sera votre mission, c'est ça? Exactement, on viendra compléter. Exactement ça. Donc ouais, rendez-vous dans un mois, parce qu'il y a plein d'événements qui vont arriver là en octobre, à partir d'octobre. Donc on sera là pour en parler dans un mois. Ok, voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Bah, merci à vous deux. Grosse force à Biggest. On va continuer la playlist locale. À 18h45, on aura en live and die le rappeur strasbourgeois Sparro. Mais avant, on va continuer la playlist locale avec Siki. Ça vient de Mulhouse. Siki du Wolf Hannibal Music. C'est très très lourd. Bien, on l'avait reçu l'année dernière. Ouais. Très très fort. J'étais là d'ailleurs. Exact. Effectivement. En tout cas, très lourd avec Aztec et etc. Et on va écouter ce son. C'est son dernier son. C'est Nowmal. N-O-W-M-A-L. Ça passe crème. C'est parti. Au joint dans la job à normal, multivitamine et normal. Ou cash niche, non, ça pas normal. Rafale, normal. Au joint dans la job à normal, multivitamine et normal. Ou cash niche, non, ça pas normal. Rafale, normal. Je suis toujours sans pression quand je laisse le flingue à la maison. Je cœur pas la raison avant la fin de mission. Il me faut un snipe pour les niquer du balcon. Qu'est-ce qu'il est que cache la conso dans le caleçon? Ben ouais, ma gueule. Ben ouais, tu la ken mal, y'a ta meuf qui t'engueule. Une journée sans jus, je me sens seul. Y'a la marijuana, give me club, I give me feuille. L'équipe elle s'est solidifiée. T'inquiète, tout est planifié. On veut juste qu'on aime à ma fille. Donc de tous, il faut se méfier. Au joint dans la job à normal, multivitamine et normal. Ou cash niche, non, ça pas normal. Rafale, normal. Au joint dans la job à normal, multivitamine et normal. Ou cash niche, non, ça pas normal. Rafale, normal. Normal, ça rentre en tête, c'est Siki, S2IKY. On va retourner du côté de Strasbourg avec le duo Arbor Expire et un son qui est sorti cet été, c'est ensoleillé, c'est Guépier et c'est Sheldon à la prod. Qu'est-ce qui réchauffe mon cœur quand le froid glace? Qui augmente le volume quand je parle à voix basse? Est-ce que les murs vont tenir si les planches du toit craquent? On restitue moins le crack, mais bon si tu dois grimpe. Les morts reviennent à la vie pendant le carnaval. Et nous c'est quand qu'on entame pour de bon les festivités. C'est mieux d'essayer d'attraper que de rien avoir. Ça fonctionne avec les miens, j'essaye, je tiens à savoir. R.I.P. les bons moments que les tensions recalent. Si je veux me calmer, je plonge dans son regard. Des fois j'ai des absences, ça me prend quand on me parle. Les larmes viennent plus facilement quand qui est tombé. Putain, je crois que l'ambiance est plombée. Lève
Lève ta main en l'air si t'as un pote qui est parti. Son oseille sera bien réparti. À la base mes jambes me tiennent mais là je suis pétrifié. Le destin m'a vite à danser donc je me laisse quitter. On me marche dessus je traîne des pieds. Pourquoi je m'embarque dans un tel pied. À la base mes jambes me tiennent mais là je suis pétrifié. Le destin m'a vite à danser donc je me laisse quitter. On me marche dessus je traîne des pieds. Pourquoi je m'embarque dans un tel pied. Lève ta main en l'air si t'as un pote qui est tombé. Ou bien si t'as aucun plan B. J'essayais dans ma poche donc il est bien réparti. Lève ta main si t'as un proche qui est parti. Un jour on finira zen à force de dire c'est pas grave. J'dors pas la nuit car je sais que ce qui nous lie nous séparera. Hier t'as croisé un frère, il t'a dit que tu manquais. Mais t'as lu dans ses yeux qu'il mentait. Est-ce que la fin se rapproche, je me souviens plus de la jeunesse. Donc je passe le dernier rapport, je vais rouler sur ma jeunesse. Demain nos routes se séparent, bientôt on se souviendra plus. Est-ce que nos cœurs se réparent, est-ce que mon tour viendra plus. À la base mes jambes me tiennent mais là je suis pétrifié. Le destin m'a vite à danser donc je me laisse quitter. On me marche dessus, je traîne des pieds. Pourquoi je m'embarque dans un tel guépier. À la base mes jambes me tiennent mais là je suis pétrifié. Le destin m'a vite à danser donc je me laisse quitter. On me marche dessus je traîne des pieds. Pourquoi je m'embarque dans un tel guépier. Le duo Arbor expire le double H. On va rester du côté de Strasbourg avec Camisa Negra et son dernier son solo. Comme Jaja, tu t'es cru dans un mariage. Faut pas insister comme ça. Mon ami, faut faire doucement. Non, faut pas pousser, pas trop coller. Ce soir, on part pas ensemble. Ne sois pas trop déterminé. T'es sur un terrain miné. Laisse-moi t'expliquer. J'suis pas venu grailler. Ni trouver un allié. On dit que t'as maillé. Toi, t'as cru que ça y est. Mon verre, je l'ai payé. La bouteille, j'ai payé. Pas besoin d'aller danser, je sais comment faire pour m'ambiancer. Je vais te le redire comme ça, tu le sais. Si tu me testes à qu'un essai, faut pas te louper. Non, faut pas te louper. Vaut mieux pas que je rentre dans ta tête. J'ai de marabouter. Sache que si j'avais voulu m'égarer, ce n'est pas avec toi que je me serais barré. Tu vas rentrer solo. La Camisa Negra, tu vas rentrer solo, solo, solo. On va rester du côté de Strasbourg avec le duo des deux frères. Ah, il passe bien ce soir. Camisa Negra, elle est... Ça donne envie de bouger le popotin. En tout cas, on va rester du côté de Strasbourg avec le duo des deux frères nommé Iba, H-I-B-A, avec un des sons d'un dernier projet. C'est J'ai raté la fin de l'épisode. C'est eu très très lourd. C'est un très bon concept en tout cas. Tout le délire qu'ils ont avec le juice, etc. En tout cas, H-I-B-A sur les réseaux sociaux. C'est parti. Thank you.
donne-moi un moment. Je te demande pas ta vie, je te demande pas autant les pourquoi, les comment. Y'en a trop dans ce que tu dis, y'en a trop pour ce moment. Juste un moment. Juste un moment. J'crois j'ai raté la fin de l'épisode. J'suis perdu sans réponse, j'écris. J'm'embrouille, j'analyse des détails. À la recherche d'un putain d'épilogue. J'suis dans le cockpit et y'a pas de pilote. Dans ma descente, je sers un rhum et je sirote. Mon cœur fonctionne de manière robotique. Je sais plus si j'suis homme ou bien cyborg. Hey, s'il te plaît, fais juste un effort. Putain d'époque où le mensonge équivaut à de l'or. Tu me dis que c'est concret mais moi je vois de l'air. J'aime bien nos souvenirs mais j'aime pas le passé. Mais j'avais des désirs, je pouvais pas les placer. Comme une impression que tout tourne à l'envers quand tu me cries dessus de manière déplacée. S'il te plaît ma belle arrête ton cinéma. Mauvais passage, dure trop longtemps. Je crois qu'on n'est pas conscient qu'on s'aimait mal. Je crois qu'on n'est pas conscient qu'on s'aimait pas. Je crois qu'on n'est pas conscient qu'on s'aimait pas. Dis-toi qu'en amour je doute beaucoup. Souvent je fuis avant de finir la corde au cou. Ma chérie stop. Prends-moi la main, faut qu'on reparte à zéro. Tes scènes de ménage, j'en ai rien à cirer. Arrête tes films, t'es pas seul dans la série. Tu crois que c'est facile pour moi de mettre ma fierté de côté. Je me mets à douter de toi et toi, tu veux plus trop m'écouter. J'ai pris ton cœur, tu peux garder la caution. Faut qu'on arrête les frais et que je te dise. Mon amour, donne-moi un moment. Je te demande pas ta vie, je te demande pas autant les pourquoi, les comment. Y'en a trop dans ce que tu dis, y'en a trop pour ce moment. Juste un moment. Juste un moment. J'ai raté la fin de l'épisode, dispo partout sur les plateformes de streaming du duo des deux frères strasbourgeois Iba, H-I-B-A. Et maintenant on va aller du côté de Vissembourg avec un son beaucoup plus brutal, beaucoup moins doux. C'est AXLO Mike avec À cause de l'ennui, dispo sur YouTube. Attention, c'est un peu hardcore. Hello, Mike 67 VCT Gang. Hey, savez, hey. Fallait tirer, c'est sûr de toi. Quand t'es dans la barre, t'as su sur le toit. Va falloir qu'on assume, on a plus le choix. J'sais que j'ai fait du mal et la fume me soigne. On voulait faire des sous-crânes sur les champs. Tout niqué pour être au-dessus des gens. La vie redit nos chances depuis la nuit des temps. On se démerde, on vit à nos dépens. Et quand la pluie descend, elle lave pas nos péchés. Nos erreurs nous rattrapent, ouais, j'ai gaffe aux épêchés. Dans l'Audi A4, y'a des tasses graves et méchées. Sur la route de l'enfer, le bonheur on a cherché. Rien à faire, nique sa mère. Souris quand le bif s'amène. L'argent sale, c'est où ça mène. Négro, ça passe sous sa mère, mais ça pas la main, si t'as pour grave. Je fais ça à la bien pour mes loups braves. Pour tous mes rebeux, pour mes tout braves. C'est le maquet dans la place, ouais, c'est comme d'hab. Tu connais la meute, on n'est pas des chiens. On tape à la patte, on sent pas les reins. Tu veux t'asseoir à ma table, mais t'es pas des miens. On va te remettre à ta place, ça peut aller loin. Bang, fallait parler moins. T'as pas respecté l'équipe, c'est que tu valais rien. J'en place une pour les types, pour les galériens. En ta prison et l'ami font des va-et-vient. Hey, j'frappe pour les anciens, pour les voyous, même pour les gens bien. Hey, j'frappe dans les enceintes. Le son est lourd, c'est qui te rend dingue. Hey, à cause de l'ennui, je rafale sur mes ennemis. À cause de l'ennui, je rafale sur mes ennemis. J'entends plus la nuit, violence, ouais, tout est permis. À cause de l'ennui, je rafale sur mes ennemis. J'suis dans l'appart à Pololo. Rabat avec mes srabals, Cololo. Y'a deux, trois tasses qui me pololo. J'sais pas laquelle choisir, j'crois que je vais prendre celle au gros lolo. Toujours envie de Ken, j'ai le syndrome du bonobo. Vrenambo, le bitume nous colle à la peau. Avec les devs, pas de collabo. Pas de collabo, ces fils de freine pour Colombo. Pour Colombo, hey. J'suis dans le cul de la France, la fessée un effort. Là c'est du sale, ça sans effort. Tous mes gars valent le sale, viens pour péter les scores. Fils d'un freestyle pour mettre tout le monde d'accord. Emmener les femmes et les enfants d'abord. C'est le match dans la place, donc ça va être hardcore. Comme un raptor, ça comme rapport. Tu veux me stop sur ma vie que t'adores. Inarrêtable, pas de game dans la foulée. Que des punchlines, c'est trop tard, l'encre a coulé. Tu veux me stop sur
sur ma vie, ça m'a saoulé. Il faudra maille à cette reine, m'en a saoulé. Quand c'était la S, négro, t'étais pas là. Tu m'appelles S, frérot, c'est des salades. Mon équipe te baise, on fait des choses salaces. Je veux la vie de rêve, ta chaîne dans un palace. Hey, à cause de l'ennui, je rafale sur mes ennemis. À cause de l'ennui, je rafale sur mes ennemis. J'entends plus la nuit, violence, ouais, tout est permis. À cause de l'ennui, je rafale sur mes ennemis. AXL au mic dispo sur YouTube, ça vient de Vissembourg. On va retourner du côté de Stras City avec Arthur Eli. Arthur Eli, ça s'écrit E-L-Y après, avec son dernier son libre qui est très bien clippé d'ailleurs sur YouTube. C'est du rap pop un peu, en tout cas ça passe crème, franchement écoutez-moi ça, Strasbourg, Arthur Eli. Ah putain, je me sens libre. Putain, je me sens libre. Ouais, mais je me sens vide. Si on m'avait dit que la vérité satanique. Ah putain, je me sens libre. Ouais, mais je me sens vide. Si seulement on m'avait dit que la vérité satanique. Ah putain, je me sens libre. Ouais, mais je me sens vide. Ça y est, c'est limpide. Et en fait, vivre, je valide pas. Qu'est-ce qu'on est censé faire quand y'a rien dans l'encéphale? Rien que l'on sait faire, tout que l'on sait faux. Au fond tu te détestes, t'es pas le plus fier. Non, pas le plus beau, non, pas le plus chaud. Perdu dans ton lit, tu te la joues mais sans l'avouer. Sur la scène, tu te la joues mais sans la jouer. Fais trop le mec fidèle, mais tu penses qu'à cavaler. T'es qu'obsédé par le feu qu'à la valette. T'es comme ça, va falloir vivre avec. Faudra bien t'y faire. Encore au moins 50 piges, c'est long. Et tu vas même pas changer de tête. Et tu vas même pas changer de meuf. Et tu vas même pas changer de sexe. Peut-être tu vas changer un peu de pote, mais en gros ce sera le même genre de mec. Ouais, ça fait mal au vide, tourner dans les vides. Ouais, cours comme un débile, elle cherche la gloire vite. Allez, storytelling. Pas de storytelling. Faut que tu t'enivres. Faut que tu te livres. Ah putain, je me sens libre. Ah putain, je me sens libre. Ouais, mais je me sens vide. Si seulement on m'avait dit que la vérité ça te nique. Ah putain, je me sens libre. Ouais, mais je me sens vide. Ça y est, c'est limpide. Et en fait, vivre, je valide pas. Tu cherchais trop, oh, c'est beau ça. Mais un humain, ça décolle pas. Jamais. Il faudrait que je m'en tire. Je ferme les yeux, je me tire. Mais j'entends tout et c'est pire. J'avoue, j'ai menti. Je vois mes rêves. S'enterre. J'ai plus confiance en la terre. J'ai plus confiance en ta mère. Je vois mon corps, ça me dégue. Y'a que le silence qui me rend guesse. J'aimerais bien qu'on se taise. Je m'en branle, qu'on se plaise. Y'a que les tableaux que je baisse. Y'a que les tableaux qui sont beaux. Y'a que les tableaux qui sont libres. Qui sont libres. Je me sens vide. Je suis qu'invité. Dans cette vide. Dans cette vide. Putain, je me sens libre, ouais, mais je me sens vide. Si seulement on m'avait dit que la vérité satanique. Ah putain, je me sens libre, ouais, mais je me sens vide. Ça y est, c'est limpide. Et en fait, vivre, je valide pas. Ah putain, je me sens libre. Arthur Eli avec le son libre dispo sur YouTube. Dans quelques minutes, on aura le rappeur Strasbourg Sparrow en live and die dans les studios. Mais avant, on va s'écouter un autre son qui vient de Strasbourg. C'est Robadub et Jean Kader. Ouais, ouais, c'est son blaze. C'est le Zen Gang avec Arrête ta flûte. C'est parti, on s'écoute ça. Zen Gang. Flûte à bec. Flûte traversière. Inside job. Flûte de pam pam pam. Arrête ta flûte, arrête ta flûte. Tu racontes des histoires. Arrête ta flûte, arrête ta flûte. Ça va finir avec ta chute. Arrête ta flûte, arrête ta flûte. J'ai pas grandi dans la rue. Arrête ta flûte, arrête ta flûte. Mais je la connais bien, ta mère la pute. Tu me dis que t'arrêtes la flûte, mais tu m'as assuré que t'en achèteras plus. Mais ma main t'es en galère, t'as du mal à l'assumer, à peine t'as bu mal. Je te croise dans la rue, tu fais style que t'as même pas vu. Que t'appelles ta pute, c'est pas vrai, t'abuses. Tu parles à ton phone, je comprends mieux pourquoi tu l'appelles ma puce.
joues les balaises qui balayent les tapettes. Mais t'aimes quand le caca te caresse l'anus. Tu fais le mec à l'aise qui va pas faire la pute. Mais la fin du mois pour un salaire ça suce. Tu me dis que tu vas purger ta peine soi-disant. T'as eu des galères avec la stup. Mais je t'ai vu en boîte hier échangeant ta bière avec une fille qui avait pas l'air adulte. Arrête ta flûte, arrête ta flûte. Tu racontes des histoires. Arrête ta flûte, arrête ta flûte. Ça va finir avec ta chute. Arrête ta flûte, arrête ta flûte. J'ai pas grandi dans la rue. Arrête ta flûte, arrête ta flûte. Mais je la connais bien ta mère la pute. Arrête ta flûte, arrête ta flûte. Tu racontes des histoires. Arrête ta flûte, arrête ta flûte. Ça va finir avec ta chute. Arrête ta flûte, arrête ta flûte. J'ai pas grandi dans la rue. Arrête ta flûte, arrête ta flûte. Mais je la connais bien ta mère la pute. Arrête ta flûte. On sait que t'es si beau dramaturge. Crois pas que tes mythos ça m'amuse. On sait que t'as le vibro à l'anus. L'aiguille grosse comme l'hypothalamus. Mais je me prends pas pour le fils Nostradamus. J'encadère le schizo catapulte. Tous les zigotos qu'en distro à la stup. J'ai mytho là-dessus. En plus je ne fume plus d'hydrocarbures. Joue pas le 6 drocadu. Shit sur ta tête, j'fais de la linogravure. Et pourquoi pas de la pyrogravure. Avec robe du j'augmente le niveau, t'as vu. Tu sais que le binôme assure tellement. On raconte pas de pipo naturellement. Non. Non, 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 non. On est francs comme des enfants. Tes parents t'ont menti, t'es né dans un gangbang. T'aurais dû finir dans une pipo. Fondre la gorge dans la Clio. On trouve des litotes. Tu trouves pas le clito. On fait du hip-hop, tu joues du pipo. Bonjour les petits enfants. Salut les fils de flûte. J'espère que vous aimez jouer du pipo. Moi je vais jouer de la... Arrête ta flûte, arrête ta flûte. Tu racontes des histoires. Arrête ta flûte, arrête ta flûte. Ça va finir avec ta chute. Arrête ta flûte, arrête ta flûte. J'ai pas grandi dans la rue. Arrête ta flûte, arrête ta flûte. Mais je la connais bien ta mère la pute. Arrête ta flûte, arrête ta flûte. Tu racontes des histoires. Arrête ta flûte, arrête ta flûte. Ça va finir avec ta chute. Ah, faut arrêter la flûte, c'est Robadub et Jean Kader de la 4ème roue qui sont en concert d'ailleurs ce soir du côté du musée d'art moderne. On va continuer en musique et juste après on aura Sparrow en live and die avec une production qui vient de sortir, c'était hier. C'est VSVS, un beatmaker strasbourgeois avec Still Running, ça passe crème, c'est parti. Le Strasbourgeois avec le son Still Running. Dans quelques minutes on aura donc Sparrow, le rappeur strasbourgeois, en studio. Et pour que vous puissiez rentrer dans son univers, si vous ne connaissez pas encore, cher auditeur, on va s'écouter Freaksal 2 qui est sorti en mars 2019. C'est tout récent, c'est parti, on s'écoute ça. Ah. Sparrow. J'arrive comme un coup de pute ou un coup de traite. Non, je traite pas. Avec les putes ou les tapettes, t'entêtes pas. Fils de pute, on va te raquette. M'embête pas, je vais te faire danser des claquettes. C'est pas ta mère la pute qui va payer mon loyer. Nage pas là où t'as pas bu, tu vas te noyer.
yeux, la caravane passe, laissez tous des putains broyés. Je veux des seniors aussi grosses capitaine par pain. Hey, la rue assez bandit, je te mets au parfum. Hey, avant ton équipe, même si t'es tarpin, paye. Maintenant, dis-moi, c'est qui fait le larbin. Si ça cloque, les vapeurs d'alcool se sont estompés. Je me planque en bas de chez toi, mais je laisse tomber. Fils de, vas-y, joue-moi un air de trompette. Tu me dois encore des lots, pas que j'ai escompté. Coup de cross, rappel à leur clic. Pah, y'a des choses que la rue ne dit. Pah, paye content, on en est timénique. Pah, poussez-vous, j'ai pas trouvé ces clics. Bah, 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 y'a des voix dans ma tête qui me disent. Get it up, vite à charge envers le sol. Lorsqu'on peine là, trop bassi dans les airs, appelle-moi Alexis Penedo. Bah, oh, bah, oh, bah, oh, vas-y, get it up. Il a retourné sa veste, je lui ai déclaré la guerre. J'ai retroussé mes mains, j'ai mis mes mains dans la terre. Nous sommes pas dans un film, il va falloir que t'atterrisses. Pourrais fumer, 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 gros. Chacun ses risques, chacun ses affaires. Quoi, le petit rebeu veut pas faire. Toi, tu veux le monter en l'air. Il va revenir, il va te niquer ta mère. Ta tête elle vaut pas plus que 10 balles. Pas besoin de mettre un contrat sur ta tête. Deux, trois balles, ta mère était tout pâle. Je crois bien qu'il s'est fait dessus, négro, goddamn. Tu veux faire la guerre, va leur dire qu'on est prêt. Fais pas le show parce que tu as tapé tes deux traits. On sait qui sont les hommes, on sait qui sont les deux traits. J'ai évité les risques, après c'est la mort de vrai. Recharge, tire, vise les stores. Pour mes gars, ça sent déjà vu. Rockard, je t'envoie une escorte. Mais quand tu peux perdre la vue. Y'a les putes et les hommes, mais les hommes sont des putes. Ne viens pas me sucer, fils d'où je t'envoie mon pit. Viens pas serrer la main si t'as baissé ton feu. Tu m'as tendu sa main, je lui ai tendu ma dick, dick, dick. Mon cul dans l'automatique, tic, tic. Turbo V12, 4 mains, tic, tic, tic. Vitre baissée, ça fait clic, clic, clic. Bam, 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 bam. Après ce son, on dira que j'en ai laissé par terre. Hein? Bah oh ma gueule, on va peser les scores, fort. Je me sens comme un Lannister, fier. Ne me raconte pas d'histoire, rien que tu mens, mon gars va maïster. Ça fait un dos, lève ton globe et lâche son gloss, vas-y range ta langue. Un dos, t'es dans le bloc, le bien et le mal entre les deux, j'talonne, hein. Ils ne savent pas comment je fais pour raconter des choses pareilles. Va faire un tour dans nos vies, on dirait qu'on est maudit. Même quand on a vu, on s'était, on pourrait nous rendre l'appareil. Je roule en 205, j'en ai rien à foutre du Audi. Les putes aboient pendant que les hommes parlent, hein. J'suis le mal aimé comme Danny Zampa. J'ai raisonné plus d'une fois. Non, n'est du pas que tu me frappes. Fils de pute, tu m'as regardé partir. C'est vrai qu'on vit qu'une fois. Toi, t'es rien qu'une frappe. T'es gavane, on va vite beaucoup partir. J'roule en 4x4, connard, c'est une loque. Même si t'es pas content pour moi, tu la rayes pas. Depuis le départ, avec mon père, je les choque. T'as pas les épaules pour un feat, ne m'appelle pas. Baba, baba, oui, se penche tous comme dans un film de cowboy. RBS sur Facebook. RBS officiel. RBS officiel. Et ça y est, Sparrow est in the building. On l'accueille dans Hip Hop from Elsa, c'est avec grand plaisir. Comment tu vas, Sparrow? Ça va et toi, la famille? Ça va très très bien. T'es venu avec ta team, t'es pas venu tout seul. Est-ce que tu peux présenter déjà un peu l'équipe avec qui t'es venu? Ok, bah écoute, à ma droite, t'as MC Bob, mon gars sûr, c'est mon backer. Yes. Ok. Là, t'as mon directeur artistique derrière, qui s'occupe de tous les réseaux sociaux, tout ça. Ok. Ensuite, là aussi, derrière aussi, il s'occupe des réseaux. Celui qui s'occupe des prods, Wox, Mox, on ne le présente plus. Ouais. Voilà. En même temps, rappeur, en même temps, beatmaker. Exactement. Aussi. Exactement. Et clipper, réalisateur, producteur. On l'entend au loin. Il fait tout. Il est multifonction. Il fait tout. Alors, un couteau suisse. Pour ceux qui ne connaissent pas, t'as un rappeur strasbourgeois de longue date. Hein. Est-ce que tu peux nous parler déjà un peu de tes débuts, comment t'as commencé le rap et à partir de quel moment tu t'es dit je vais prendre ça un peu plus au sérieux, je vais enregistrer, je vais faire des clips et tout, quoi. Écoute, j'ai rappé quand j'étais petit déjà. Quand j'avais 9 ans, un truc comme ça, j'avais un petit groupe, tout ça. Bon, c'était de la rigolade. Ensuite, j'ai repris avec Tonton Mox. Yes. Il m'a fait reprendre un peu goût à la musique. Il m'a mis 2-3 prods. C'est reparti. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Et j'ai eu envie de continuer quand j'ai vu que ça prenait un peu la sauce. C'est-à-dire que ça plaisait à beaucoup de gens, déjà au quartier. Au tout début, tu rappes pour le quartier, tout ça. Et après, tu rappes un peu pour tout le monde. Mm-hmm. Après, t'as envie de te faire entendre dans toutes les autres villes, tout ça. Donc, j'ai vu que il y avait un soutien. Donc, je me suis dit, écoute, on va pas lâcher. Hein. Ça va, t'as senti qu'il y avait un potentiel et que tu voulais rentrer. Ouais. Dans... Écoute, moi, j'aime bien la musique. Je suis un passionné. Donc, quoi qu'il arrive, j'arrêterai pas, tu vois. Et tu parlais du quartier juste avant. Ça tient à cœur, ça sent de représenter Haute-Pierre. Donc, HTP, rien que sur Facebook, par exemple, ta page, elle s'appelle Sparrow HTP. Non, ça, c'était à l'époque. En fait, c'était vraiment quand j'étais, tu vois, plus jeune, plus con. Tu vois ce que je veux dire? Là, maintenant, on est devenu plus mature, c'est plus carré. J'ai un manager derrière moi qui s'occupe de tout. Yes, big up à lui, très coriace ce manager. C'est Sage Knight, il est très très méchant. Lui, c'est une grosse moula. C'est une très très grosse moula. Il est grave méchant. Ouais, ouais. Mais tu bosses toujours avec des gens de HTP, de Haute-Pierre, j'imagine. Mox, par exemple. Ben ouais, mais après, je veux dire,
Pas spécialement, c'est-à-dire, regarde, lui, il vient pas d'HTP, ouais. Le DA, il vient pas d'HTP, tu vois ce que je veux dire? Mon pote là-bas derrière, il vient pas d'HTP, tu vois, un peu de partout. Moi, c'est pas parce que tu viens du quartier ou de mon quartier qu'on va forcément bosser ensemble, tu vois ce que je veux dire? Sur les compétences. Si maintenant, t'arrives à me suivre dans mon délire, ben on va bosser ensemble, tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, l'équipe, elle est complète, donc. Ah, t'as une grosse équipe en tout cas, ça c'est. Grosse équipe, bien grosse moula, bien accompagnée. Ça va. C'est le manager, il est derrière tout ça, il est carré. Il y a Mox aussi qui est derrière tout ça, donc. Ça marche, ça fait plaisir. En tout cas, est-ce que tu peux déjà un peu expliquer ton blaze? Alors en anglais, Sparrow, ça veut dire moineau. Moineau. Mais vu ton rap, c'est apparemment du rap de moineau que tu fais. Hein. C'est du rap des pirates. C'est plutôt hardcore. Et vas-y, dis-nous comment t'as trouvé ce truc. Écoute, c'est quoi? Tu vois, Pirates des Caraïbes. Ouais, bien sûr. Ouais. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Voilà, on le présente pas lui non plus. Eh ben, écoute, j'ai kiffé le personnage. Okay. Tout simple. Tout simple. Voilà. Tu l'as surkiffé, t'as voilà. Choisi ce blaze. Exactement. Ça marche. Je crois qu'il y a un chroniqueur Shams Dean qui a une question pour toi. Question, frère. Je sais plus dans quel clip exactement, mais t'avais mis un cache-œil. Est-ce que t'avais vraiment le délire de vouloir faire de ça un personnage ou c'est non, j'ai un problème à l'œil en vrai. J'ai un problème à l'œil et des fois je mets des lentilles, donc il y a personne qui redave, mais d'accord. J'ai un petit problème à l'œil. Donc, okay. Screddy, la vraie piraterie. C'est Scred, tu vois ce que je veux dire. Okay, si j'enlève la lentille, tu vois le vrai problème. Donc, ok. Voilà. Attends, encore plus Jack Sparrow style du coup. C'est parfait, ça rentre bien dans le thème. On va te présenter un peu aux auditeurs qui connaissent pas encore en musique. On va commencer avec Freakstyle 1, ouais. Donc c'est une série de sons que t'as sorti sur YouTube, à chaque fois clippé il me semble, c'est Freakstyle. C'est ça. C'est Wox Beat d'ailleurs à la derrière prod tout ça, qui est derrière. Il veut pas venir au micro d'ailleurs Wox Non, il veut pas. Lui il est derrière comme le manager, il reste à l'ombre. Les hommes de l'ombre. Voilà, ça c'est ils aiment pas trop se montrer, ils aiment pas trop parler. Ça marche. En tout cas, ce son il est assez récent, il est sorti en février 2019. Est-ce que tu peux expliquer un peu le concept de Freakstyle? Là pour le coup c'est du rap kické. Ouais, c'est ça. Bah écoute, j'étais dans une période de ma vie où voilà, j'étais un peu vénère comme tout le monde. Hein, y en a, tout le monde a sa période. Donc je suis parti sur ce délire. Donc j'ai fait le 1, j'ai fait le 2. En fait j'avais de l'inspi et j'avais vraiment une grosse rage. Donc je me suis dit vas-y tu sais quoi, on va envoyer une série et on va claquer ça. Et dis-toi, je me suis arrêté à Freakstyle 3, mais il y avait un 4, un 5, un 6 et un 7. Qui sont dans la boîte ou ils sont où? Qui sont bien au chaud, ils sont là, mais bon voilà tu vois. Tu gardes les cartouches de côté pour les ressortir? Des cartouches, il y en a, frère. Mais le truc, c'est que je me suis dit, on va s'arrêter sur 3 et c'est bon, tu vois. Le manager aussi, il était d'accord pour qu'on s'arrête. Donc, Ça roule. Et on parlera après des derniers sons qui sont sortis. En tout cas, on balance ça, du coup, on laisse les micros allumés, ça, ouais, avec le backer qui est là. C'est parti, Freakstyle 1 sur RBS. Ok. Yeah. MC Bob est dans la place. Pendant qu'ils étaient sous moi, je voulais faire des sommes. Et quand j'ai eu des sommes, eux, ils ont eu le seum. Et quand je dis que c'est des putes, ben je te parle des hommes. Tu connais des langues de pute, oh, t'es pas le seul. C'est pas la misère qui m'emmène en balade, c'est moi qui la traîne. Impossible d'avancer tant que j'ai mes démons qui me freinent. En attendant, avec vous, partage mes joies et mes peines. C'est du sang de Maribéari qui coule dans mes veines. Je prépare une fusée, je décolle, j'atterris dans le cosmos. Je peux pas les fréquenter pour du buzz, j'ai vu que ça mosmos. Tu peux niquer ta mère, toi et ton coup de pouce. Je crois que le message est passé chic qui m'écoute tous. Le son s'annonce sévère, c'est pas un règlement de compte. C'est une grosse mise à l'amende à ceux qui croient que je sais perdre. Je sais qu'ils sont chez père, je les ai vus dans mes chopards. En route ils sont du père, mais bon c'est que des tocards. Mais vas-y laisse-les parler. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Laisse-les parler. C'est rien que des mythos. C'est rien que des mythos. Hein? Ils ont la mort, ils ont la mort, ils ont la mort, ils ont la mort. Ils ont la mort gros. Ils ont la mort, ils ont la mort, ils ont la mort, ils ont la mort. RBS c'est comment? Ils ont la mort gros. Laisse-les parler. Laisse-les parler. C'est rien que des mythos. Ils ont la mort, ils ont la mort, ils ont la mort, ils ont la mort. Ils ont la mort, gros. Ils ont la mort, gros. Ils ont la mort, ils ont la mort, ils ont la mort, ils ont la mort. Hein? Chez moi pour rouler en moto, ça casse le Neyman. Ressens-tu l'excitation quand je fais crier le moteur? Pour ceux qui vivent de la débrouille, de la dépanne. Pour ceux qui font passer des kills dans le bloc moteur. Pareil que l'on est là. Insulte-moi pas, je vais te le dire qu'une fois. Et quand je regarde mes clips, écran incurvé. Et là, je me dis qu'on ne vit qu'une seule fois. Y'a les moutons et y'a les bergers. Ouais. Et y'a les traites qui vont émerger. Non. Et dans leur tête c'est la gamberge. Ouais. Je gaspirais pas mon énergie. Non. Si toi t'as le vis, moi j'ai le tournevis. Dis-toi que c'est pas avec tes potes que tu feras de bonnes affaires. Tout à l'heure il a bloqué quand il a vu la miss. Il oublie que c'est ton ami devant une grosse paire de fesses. En cas de folie je pourrais t'abattre de sang froid. Première sommation y'a pas de 203. Je passe les rapports, t'as une grosse accélération. J'ai grillé tous les feux, normal gros on est comme ça. Mais vas-y laisse-les parler. Laisse-les parler, je t'ai dit. Laisse-les parler. Laisse-les parler. C'est rien que des mythos. MC Bob. C'est rien que des mythos. Mox.
Ils ont la mort, ils ont la mort, ils ont la mort, ils ont la mort. Ils ont la mort, gros. Ils ont la mort, gros. Ils ont la mort, ils ont la mort, ils ont la mort, ils ont la mort. Mais vas-y, laisse-les parler. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Laisse-les parler. C'est rien que des mythos. C'est rien que des mythos. Ils ont la mort, ils ont la mort, ils ont la mort, ils ont la mort. Ils ont la mort, gros. Ils ont la mort, ils ont la mort, ils ont la mort, ils ont la mort. MC Bob, c'est comment, gros? Mais vas-y, laisse-les parler. Toujours Sparrow en live and die. On va continuer l'interview avec la question classique Sparrow, la question des influences. Tu disais que t'étais intéressé du rap depuis tout petit. Ouais. Du coup, la question dans ton enfance, adolescence, enfin, voilà, quand t'étais plus jeuneau, est-ce qu'il y a des artistes, pas forcément rap, hein, que t'as vraiment kiffé à fond et tu penses qu'aujourd'hui ça a une influence sur toi, sur ce que tu fais aujourd'hui? Ça peut être Bob Marley, ça peut être n'importe qui. Ça a une influence, bien sûr, parce que bon, moi après j'ai écouté tout, j'ai mon grand frère qui écoutait tout, donc j'écoutais du Oxmo Puccino, j'écoutais IAM, j'écoutais NTM, j'écoutais vraiment de tout. Donc la musique, c'est pas vraiment un groupe qui m'a donné envie de faire de la musique, c'est vraiment le rap en lui-même qui m'a donné envie de faire du rap. Ça marche tous les formes de rap à l'époque. Tout. Ça roule. Et aujourd'hui, là, en 2019, il y a quoi comme truc dans ton téléphone, comme musique? Tu peux être étonné, gros, tu peux tomber sur des la Zumba de... Non, quand même pas, mais après, ouais, si ça passe bien, mais je veux dire, tu peux tomber sur de la country, tu vois, de la country, du rap country, là, du... À Lille, Nas X... Voilà, tu peux tomber sur des chansons françaises... Il y a de tout, il y a tout dans mon téléphone. En chanson française, genre quoi, Aznavour? La techno. Ouais, bon, bah, tu sais quoi, je vais pas commencer à faire le gars. Ouais, j'écoute du Aznavour, du Jacques Brel, ouais, Brassens. Trop cultivé. Non, frère, non, écoute, il y a des musiques, je les écoute, je connais même pas, je sais même pas c'est qui chante, tu vois ce que je veux dire, mais juste j'ai kiffé. Ben, après, là, en ce moment, il y a L'Homme Pâle, tout ça. Là. Ouais, L'Homme Pâle. J'aime bien, moi, c'est des musiques qui passent en radio, ça rentre dans la tête, tu les chantes. Des bons petits refrains. Aurel, ça, tout ça. Ça roule. Et au niveau de l'écriture, est-ce que t'as des petits rituels? Je sais pas, tu manges un sandwich ou des trucs comme ça. T'es peut-être la nuit, t'écris mieux. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que t'as un petit rituel ou des habitudes qui te permettent d'écrire plus facilement ou pas? Non, j'ai aucun rituel, aucune habitude. J'écris quand j'ai l'inspi, j'écris. Tu vois, c'est ça. Quand ça vient, j'écris. Donc t'as tout dans la journée, ça peut devenir comme ça. Ouais, voilà. Après, sachant que dans la journée, moi. J'ai plein de trucs qui passent dans la tête, donc ce que je fais, j'ai un enregistreur, j'enregistre et voilà, c'est fait. Ça marche. Et au niveau des prods, comment tu as choisi ça? Sur YouTube et Mox, tonton Mox, quand il m'envoie des prods. C'est ton chirurgien le plus régulier, on va dire. Ouais. Ça marche. Bon, on va passer à un prochain morceau, bah, c'est le dernier. C'est le tout dernier, il est sorti il y a vraiment pas longtemps, il y a une semaine ou deux. Exactement. C'est Rom Pom Pom Pom. Voilà. C'est, là, pour le coup, c'est du son plutôt. C'est beaucoup moins rappé qu'avant. Enfin, il y a quand même du rap dedans, mais je veux dire, c'est plus un son pour danser, plus calibré, ouais, on va dansant. Dire calibré pour c'est les caliente. Voilà, caliente pour les clubs, le clip aussi, hein, il est caliente, hein. Elle vient d'où la écoute, femme qui est écoute tu vois, pour moi, elle vient d'où, je sais pas, c'est une danseuse professionnelle à la base, c'est ça se voit, ça se voit. C'est une danseuse professionnelle. Après, moi, les figurantes, je les sélectionne pas, tu vois, je m'occupe pas de ça, c'est ton DA qui s'occupe de ça, tu vois. Voilà, c'est manager, c'est DA, c'est tout, voilà, c'est toute l'équipe, vraiment, eux ils sélectionnent et ils valident. Et ensuite, moi, quand j'arrive sur le tournage, c'est la surprise aussi, tu vois ce que je veux dire. Et c'était où là le tournage? Parce qu'on dirait c'est jungle et tout. Le tournage, c'est à la Colombie, amigo. C'est en Colombie, tu sais, ça tirait. Il fallait le passeport pour rentrer. Cabron, c'était l'orangerie, c'est ça? L'orangerie, ouais, derrière Schweigouz. Ça sentait l'orangerie. Écoute, on va s'écouter ça. En tout cas, c'est dispo sur YouTube. Donc, c'est inspiré d'un son Valderrama, c'est ça? C'est exactement ça. C'est une cover. Et d'ailleurs, ça a été repartagé par le chanteur. Lui-même, ah, ça c'est cool, ça. Et son producteur, ils sont venus, ils nous ont écrit, ils étaient contents. C'est-à-dire qu'il a validé ou vous l'avez pas trashé son morceau, il est ben, content. Ben voilà, on a marqué cover en même temps, tu vois ce que je veux dire. Et lui, il est tombé dessus et il était trop content. Donc à 4h du matin ou 5h du matin, il nous a écrit pour se manifester, pour manifester sa joie. Son amour, le son, fait plaisir. Il a fait beaucoup de millions de vues aussi. Ouais, il a fait 24 millions. Ah ouais, ouais, il a bien baisé son son, ouais, carrément. Donc, ça nous a un peu étonné, tu vois. Bah écoute, c'est cool, on va écouter ça du coup, on va mettre ça pour les auditeurs. Ram pom pom, est-ce qu'on laisse les micros allumés, les gars? Non, ou... non, pom pom, ça se savoure. Certains disent qu'ils la voient comme une fille facile. Certains te diront qu'elle n'était qu'un mirage. D'autres te diront qu'elle est à son avantage. Je n'écoute plus rien, ça devient interminable.
Elle est sortie tout droit de la jonquera. Comme le dicton qui dit que sera, sera. Elle passe pas inaperçue comme une bandera. Et tout le monde rêve de la rom-pom-pom, rom-pom-pom, elle a le feeling. J'aime quand elle se déhanche, elle fait ça slowly. Rom-pom-pom, rom-pom-pom, c'est ma weed. Si je lui donnais un nom, je l'appellerais Wendy. Rom-pom-pom, rom-pom-pom, c'est une bombe. Je lui ferais danser la rumba des rumba. Rom-pom-pom, rom-pom-pom, oui. Elle aime le rom-pom-pom-pom-pom. N'est pas très adepte du self-control. C'est plutôt chocolat et grosse bouteille d'alcool. Elle veut juste ton fric, rien à foutre de tous tes collabos. Rom-pom-pom-pom, te fait cavaler. Des bobards impossibles de lui faire avaler. Tu n'as vu que ses jambes quand elle s'est en allée. Un vulgaire canard aujourd'hui t'en a l'air. Rompa s'emballer, rien que tu sois un gars bien. Elle veut des drames, tu la veux donc fais le bien. Elle voit pas le danger, rien à foutre de tes serres. Elle veut des bijoux pendant que la nique et toi tu espères. Douce mélodie, elle t'a pimpé, tu l'as pimpé comme un pot mal ici. T'as cru la voir, mais tu vas gratter que dalle ici. Pendant que tu la rapapam, paraît qu'elle rêve de lui. Douce, douce note, douce, douce mélodie. Elle t'a pimpé, tu l'as pimpé comme un pot mal ici. T'as cru la voir, mais tu vas gratter que dalle ici. Elle t'a mis dans l'os avec toutes ses positions. Tu t'es mis à l'aise, aucune opposition. Elle t'a mis à l'aise avec ses positions. T'es tombé dedans, tu voulais t'envoler. S'envoler, oh. Il voulait s'envoyer, oh. Rapapam, rapapam, rapapam. Rapapam, rapapam, elle a le feeling. J'aime quand elle se déhanche, elle fait ça slowly. Rapapam, rapapam, c'est ma weed. Si je lui donnais un nom, je l'appellerais Wendy. Rapapam, rapapam, c'est une bombe. Je lui ferais danser la rumba des rumba. Rapapam, rapapam, oui. Toujours avec Sparrow en Live and Die sur RBS dans Hip Hop from Alsace, donc l'épisode 1 de la saison 2. Alors du coup là, c'est vraiment le genre de son qui est fait pour faire bouger les fessiers. C'est calibré pour les clubs plutôt, boîte de nuit. C'est ça. Comment ça s'est passé ce morceau? Est-ce que tu prends du plaisir à faire ce morceau ou c'est vraiment stratégique? Grave, frère. Chaque morceau que je fais, je prends du plaisir. Ok, voilà. Attends. C'est-à-dire que je t'ai dit, je suis un amoureux de la musique, donc là j'avais voulu partir dans un autre registre, un nouveau registre. Ben regarde, tu l'avais avec Malakech aussi, ouais. Avec DJ Wanted. Mm-hmm. Donc faut s'attendre à des sons comme ça aussi. Malakech, ouais, pour la petite histoire, c'est un son qui a été clippé à Marrakech. À Marrakech. Et donc c'est avec DJ Wanted et c'est vraiment là, c'est club aussi à mort. Ouais, quoi. Il a été clippé par Mox aussi. Donc, toujours là, la toujours caméra, là, ouais, il est toujours là. Le piano. Il est toujours partout. Il veut toujours pas dire de quelque chose, Mox? Non? Toujours pas. Il est pas là. Ça me marche, il est aux toilettes. En tout cas, en parlant de ça, du coup, de showcase et tout ça, de scène, en tout cas de club, quelle expérience t'as, toi, de scène? Qu'est-ce que t'as déjà fait? Où est-ce que t'as déjà été? La scène, j'ai déjà fait. Déjà, j'aime beaucoup la scène et j'ai déjà fait quelques showcases et la première partie de Jaja et Dinaz. Ok. Qui était très 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 bien. C'était méchant. C'était où ça? Et d'ailleurs, c'était. C'était où? C'était à la laiterie. À la laiterie. Et voilà, c'était mon frérot qui m'avait branché dessus. Et donc, franchement, c'était ma meilleure expérience. C'était à leur première partie. Franchement, il y avait. Il a été à la hauteur. C'était full en plus. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, c'était full. Les gens étaient chauds même pour la première partie alors qu'ils venaient pour la deuxième partie. Exactement. Enfin, exactement, ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça qui m'a plu et c'est ça qui m'a donné envie de faire des sons aussi, ambiance pour. M'amuser sur scène parce que c'est de l'amusement, la musique à la base, tu vois ce que je veux dire? Ouais, à la base ça peut devenir un métier, mais ça peut devenir un métier bien sûr. Mm. Mais je veux dire, quand t'es sur scène, c'est de l'amusement, tu vois ce que je veux dire? Faut que tu t'amuses et donc
Voilà. Donc t'es ouvert à tout, à toute proposition. Ouais, bien sûr. S'il y a des bookers qui écoutent ou quoi. Bien sûr, bien sûr. On a peut-être des propositions même à te faire. Faut passer par le manager par contre. Ah ouais, toujours. Ah, ouais. Toujours. Par le manager. Et attention, il est coriace ce manager. Voilà, ils peuvent m'écrire sur la page Sparrow officielle. Yes. Mais bon, voilà, ça va être le manager qui va leur répondre. Et, par mail aussi. Voilà. Et par mail. Voilà. Il y a toutes les infos sur mon Instagram Sparrow officiel. Sinon, sur le Snap Sparrow off. Ça marche, t'es présent sur les réseaux. Alors il y a des sons sur ton YouTube qui ont vraiment bien tourné, comme Fire ou le featuring avec Sultan. Ouais. Ça cumule quand même plusieurs centaines de milliers de vues. Ouais. Ça date d'il y a pas si longtemps, au final, il y a un ou deux ans, tu vois. Mais t'as pas choisi, par exemple aujourd'hui, tu vois, de les mettre en avant. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Est-ce que c'est quoi? T'es toujours focus sur le présent, la suite, ou genre peut-être t'es moins satisfait de tes anciens sons? Enfin pourquoi? Écoute, de toute façon, t'es toujours moins satisfait. En fait, quand tu fais un son, tu passes à autre... moi je passe à autre chose après. Tu vois ce que je veux dire? J'en fais un autre. Donc c'est clair qu'après je suis satisfait de l'autre et moins satisfait de l'autre. Parce que t'essayes toujours de te surpasser un peu. Tu vois ce que je veux dire? T'essayes d'évoluer. Mmh. Donc, et moi perso, dans mon cas, je vais pas te mentir, c'est, j'essaye d'évoluer. Donc t'essayes toujours de faire mieux. Et chaque son il est toujours mieux que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour moi, tu vois. Tu es en progression constante. Exactement. Et du coup, parce qu'il y a 3 ans, t'es pas satisfait de ça. T'as pas envie de. J'ai pas trop aimé. Et j'étais très mal encadré. Il y a 3 ans, j'étais mal en fait, j'étais pas encadré en fait. Okay. Et Mox, il pouvait pas tout faire. Tu vois ce que je veux dire? Il me fallait quelqu'un, il me fallait un manager sérieux. J'en ai eu des managers, mais il m'en fallait un sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Qui va se concentrer que sur moi. Un manager qui fait du rap, t'avanceras jamais avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que lui-même, il veut avancer. Tu comprends? Carré. Donc là, moi, j'ai quelqu'un derrière moi qui est très très carré, comme t'as pu le voir. Ah ouais, carré de ouf. Il est carré. Tu vois ce que je veux dire? Je t'invente rien. Tu l'as vu? Ah non, clairement. Donc, c'est pro, big manager, pro, big manager. Voilà, 100%. Pro. Exactement. Je crois que Shems avait une question pour toi. Donc on parlait d'évolution dans le son et tout. J'ai vu qu'il y a quand même pas mal de styles différents. On a vu des trucs boom bap, des trucs plus trap turn up, des trucs limite urban pop entre guillemets. Ouais. Et du coup, t'as l'air de vraiment vouloir t'intéresser à plein de trucs. Je me demandais, est-ce que t'as déjà pensé à de futurs collabs, des trucs genre j'en sais rien, bosser avec des musiciens, enfin, bien sûr, continuer de te diversifier. Moi, je suis ouvert à toute proposition musicale. D'accord. C'est-à-dire que si tu fais de la musique. Et que j'aime bien ce que tu fais et que ça correspond à ce que je fais en ce moment, à mon univers, que le feeling ça passe bien, eh ben on va faire un truc. Si c'est crédible musicalement, t'es ouvert à tout collaborer. Que tu sois musicien ou que tu fasses des prods ou si on peut collaborer, on le fait, y a pas de soucis. Lucas aussi a une question. Ouais, du coup moi je rebondis un peu aussi sur ça et je rebondis sur les sessions de freestyle que tu disais que t'as fait là, je sais plus comment ça s'appelle, les Freaksal. Ouais. Et du coup t'as pas eu envie d'en refaire, du coup de comment dire, d'intégrer ça un peu à ton développement, c'est-à-dire que tu vois en faire un tous les mois, ça peut aussi cadrer le truc et connaître, tu vois, par ce biais-là. Le truc, c'est que moi, j'aime bien faire de tout, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Freaksal, je t'en fais un quand tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, là, j'ai écrit un freestyle hier matin. Je vais le faire là en live. Tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs que je peux faire vite, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Des Freaksal, je t'ai dit. En plus, je me suis arrêté à 7. Donc, si j'avais voulu balancer encore, j'aurais pu. Ouais. Mais j'étais dans un autre délire. C'était plus trop ça. Tu vois ce que je veux dire? Le rap, c'est bien. Mais au bout d'un moment, faut t'ouvrir à un autre public aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, mon public, il s'est élargi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des mamans qui m'écoutent. Il y a des jeunes filles. Il y a des. Un jeu Freaksal pour les mamans, c'est pas. Faut pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Mais elles ont. Tu vois ce que je veux dire? Avec le nouveau public, tu vois, elles ont vu après ce que je faisais derrière. Elles se sont dit putain, mais t'es hard en vrai et tout. Ben non, c'est pas que je suis hard, c'est que je fais de tout. Tu vois ce que je veux dire? Et là, elles m'ont connu sur des Malakèches ou Rampapapom. Et la suite qui va arriver encore, je pense que vous allez être choqués encore. Tu vois ce que je veux dire? Je fais vraiment de tout. Donc, mais plus, c'était plus dans l'idée, tu vois, de faire une sorte. De série, tu vois, genre pas forcément que des Freaksal, mais justement faire des, comme tu dis, des Freaksal avec des trucs, ça viendra, avec des trucs vénères, avec des trucs ça viendra un peu moins, parce que moi je trouve que c'est un truc qui marche plutôt pas mal dans le développement d'un artiste. Donc, regarde, je vais t'expliquer une chose, tu vois, genre kicker ça, je sais pas si ça te dit quelque chose. T'es toujours énervé, toi? Non. Voilà. Quand tu sors de chez toi, t'es pas toujours en mode putain fils de. Tu vois ce que je veux dire? Justement. Donc, justement, moi, il y a des jours où je suis en mode énervé, il y a des jours où je suis en mode ambiance. Tu vois, je suis bien dans ma peau. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en mode, je suis bien. Tu vois, donc j'ai envie de faire des sons comme ça et les balancer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça en fait. Ça marche. Bah écoute, on va écouter un son où là, je pense, ce jour-là, t'étais énervé parce que c'est Traître partie 3. Ouais. Et après, on passera au freestyle. Il y a un gros clip. Franchement, le clip, allez le voir, il est stylé. Il est
méchant. Il y avait les moyens, on a mis des gros moyens. Ouais, ouais, c'était à l'américaine, hein, franchement. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux un peu parler de ce son? Bon, du coup, rien que le titre, déjà, on sait que ça va être vénère, mais je parle un peu de moi, hein, je vais pas te mentir, je parle un peu de ma vie, je m'ouvre un peu plus au public, vu que, tu sais, les gens, en fait, j'avais remarqué ça avec Traître 1. J'ai envoyé celui-là, les gens, ils ont kiffé parce que je parle de moi, en fait. Tu vois? Okay. Et c'est ce que veulent les gens, en fait. Donc, moi, je me suis, voilà, tu vois, ils veulent du réel, ils veulent pas que du. Voilà. Donc là, je me suis un peu plus confié et j'ai essayé d'être un peu plus carré, tu vois, dans les rimes, dans les. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un peu les moyens dans le clip, tu vois ce que je veux dire? Ça roule. Faire les choses un clip à la hauteur du son, voilà, quoi. C'est parti, on s'écoute ça. Traître partie 3. Par la solitude et les remords. De patience et vertu, j'ai dû m'armer. Dois laisser un putain de capital à mes marmots. Si je meurs, ils sont bien pour des années. J'ai le cœur serré, mais y'a rien d'alarmant. Si tu veux me ken, il faudra plus qu'une armée. J'ai le barbus fait éclater par le prince charmant. Mais ça, je crois déjà qu'elle le sait. Envoie le sac et le butin. Rien à foutre de ton vuitton. Là, je suis calé contre la putette. Tu peux remballer tes pétasses. Non, je ne veux pas de maîtresse. Ta mère la catin. Je m'acharne sur la boîte de vitesse. La mort de peu, j'ai évité. Un sdeh et va-t'en. Choquez, non, t'es pas invité. Ouais, dans ma tête, je suis buté, plus personne t'attend. Je veux faire du bif et il faut de la merde. Tu es en vacances avec ma femme, petite villa en bord de mer. Petite villa en bord de mer. D'un jour l'autre, tu peux. J'ai promis de tout leur donner, mon fils, un scooter des mers. M'arrêter, non, j'ai trop la dalle. Et quand je sortirai l'album, sauf qu'il peut. Je sais déjà où se trouve la faille. Je suis entouré de puits depuis petit peu. Hein? Laisse les vampires sur moi, ils sont pas trop sûrs d'eux. Ils sont pas trop sûrs d'eux, ils sont pas trop sûrs d'eux. Allumez pas besoin d'eux, la meilleure est sur moi. La meilleure est sur moi, la meilleure est sur moi. Je connais des mecs qui pourraient t'enterrer à moins d'eux. La TCG, j'ai jamais quitté. J'portais mon rail sur le guidon. Cherchais les pépins, y'a les vrais et y'a les bidons. Tes marques c'est quitté, 2-3 cartouches qui vont t'éteindre. J'allume un pilon, mais où donc la concu a filé? Je les entends parler en kilos, on va les caler. Chez nous pas de place pour les frileux. Je faisais du sac, t'étais pané. Hein? Je les ai taillés. C'est qu'une vieille bande de coquets. Je peux l'enterrer vivante si j'apprends qu'elle me fait cocu. J'ai le syndrome de Peter Pan, c'est mon côté toqué. Hein? Du 6-7 au 9-3, toute l'équipe est au cas. Pas besoin de mentor, efficace comme 600 chevaux sous le moteur. La mort a rendez-vous, pas besoin de candidature. Et dans le haram, j'ai vu qu'on était trop de partenaires. Ce soir, tu bébé, ce soir, tu peux te faire charcler. Un coup de fin à l'anonyme, tu finis au parquet. Je peux me faire fumer, mais ma question c'est parqué. Arrête au cinéma, je te pète les lunettes quartier. J'ai des embellis, j'ai perdu du poids. Et il paraît que le buzz est éphémère. J'avais des amis, j'ai vite mis une croix. Quand j'y repense, je me dis qu'est-ce que j'ai fait, merde. Et toutes ces années, j'ai dû prendre sur moi. Alors qu'au fond, moi, je voulais niquer des mères. Ouais, je suis pas un homme. Niveau 2 sur 3, je fais tomber les masques. Comme dans éphémère, Sparrow. RBS, c'est comment? Salam à toute la team Sparrow. On est ensemble, la famille. Karim, Nasser. Et c'est reparti. Alors, on va passer au freestyle du coup. Donc, c'est un nouveau texte qu'il nous fait en exclu ou c'est pas encore, c'est déjà sorti? Exactement, non, c'est encore. Ah, ça fait plaisir. C'est vénère ou pas? Tu verras. On va voir. En tout cas, t'as choisi Item Up de Tupac. Ouais. Donc la prod. Pourquoi ce choix? C'est quoi? C'est ton classique? Tupac, j'aime bien. J'ai été bercé moi par ces sons-là avec mon grand frère qui écoutait beaucoup ces sons. Donc voilà. Naturellement, c'est. Naturellement. C'est parti. En tout cas, on envoie ça avec MC Bob, bien sûr, dans la place. Toujours là. C'est parti. On envoie la prod. Take money. Ok, RBS. Pour commencer, fuck tes putes, va leur dire que je suis clean. Ouais, ça aide, on est là, c'est toute la foule qui crie. Tu veux jouer, on va jouer, je vais te wet ta life. Si le faux fils de pute, j'irai jusqu'à te pète ta wife. Bref, te demande pas pourquoi j'ai autant d'ennemis. Ali m'a dit, t'inquiète pas, on va tous les smoke, ces bitches. La mort est putain de rendez-vous, tout le monde veut ce putain de dernier mot. Je vais leur faire danser Wanna Walk, c'est que des losers. Je me demande encore où sont passés mes amis proches. Aujourd'hui, hamdoulah, je fais du bif, je m'en mets dans les poches. C'est pas en tout foutant dans le pif que tu pèteras le Porsche. Tu crois encore à ta destinée, mais t'as loupé le coche. Rien à péter, t'étais délié, tu sais qu'on sait le manier. Provoque pas, tu sais que je suis cool. Joue pas le bad boy, y'a que la bouteille que tu kills. Fais pas le vénère si tu vois que je suis cool. You know, veulent ma peau un peu comme Tupac. Veulent me faire un peu comme Tupac. Rien que tu m'imites, y'a des limites, tout est flou. Pas de gimmick, un peu de limite quand t'es sous. Négro, je suis dans la map.
Take money, on veut du bif gros. Take money, on veut du bif gros. Take money, on veut du bif gros. MC Flash gros, c'était pour moi, c'était Sparrow mec. Yeah, take money. Est-ce que t'as des annonces take money. Que tu voudrais faire? Petite dédicace, manager, force à toi frérot. Grâce à toi, on a parcouru un très très bon chemin. Mox, grosse dédicace à lui aussi, le frérot. Il est toujours dans les parages, il fait beaucoup de choses aussi. Ah, il reste dans l'ombre aussi. Il est dans l'ombre. Dans l'ombre voilà. Le frérot, MC Bob, le directeur artistique, Dimas, et toute l'équipe, MC Flash aussi. Yes, grosse équipe. Hein. Grosse équipe. Ben. Force à vous aussi, RBS. Merci. Dédicaces, après des dédicaces, voilà, Karim, Nasser, et toute la famille, tout le monde. Toute la team Sparrow, et voilà, merci à tous pour votre écoute. C'était RBS 91.9, la famille. Yes, est-ce qu'il y a des clips qui arrivent du coup? Est-ce que tu peux nous dire en exclusivité? Écoute, il y a des clips, il y a Dernier Baiser qui va arriver là dans très peu de temps. Okay. Je peux pas encore communiquer de date parce que je les connais pas encore. Donc il y aura Dernier Baiser, il y aura un son derrière qui va arriver aussi, Dernier Baiser avec un clip aussi. Okay. Donc deux clips qui vont arriver. Bim bim. Voilà. Donc en attendant, si les gens veulent me suivre, ils peuvent me suivre sur Instagram, Sparrow officiel. Voilà, Sparrow avec deux R. Et sur Snapchat, c'est Sparrow Off attaché. Donc Sparrow Off sur Snap, Sparrow officiel sur Instagram. Et toutes les infos, elles sont balancées là-dessus. Donc ils peuvent pas louper les infos. Ça roule, bah rendez-vous sur les réseaux sociaux. On se quitte avec un autre son à toi, encore un dernier. Okay. C'est Traître 1. Ok. On n'était pas sûr d'avoir le temps pour le passer, mais on a le temps. Du coup, c'est pareil, c'est un peu vénère comme le Traître 3. Exactement, j'imagine. Voilà. Et c'est là aussi premier. Tu te confies ou? Écoute, je me confie aussi dessus, mais j'étais beaucoup. En fait, vu que c'était le premier, j'étais énervé. Tu vois. Et voilà, donc. T'es souvent énervé, c'est voilà. Ça marche. Donc voilà, c'était la petite frappe, tu vois, le concentré. Ça roule, bon, écoute ça. En tout cas, merci d'être passé par ABS et Hip Hop From Alsace. Y'a pas de soucis, et, aussi, et bientôt le podcast qui arrive dans la semaine, qui devrait arriver avec les vidéos, etc. En tout cas, grosse force à toi pour la suite et à toute ton équipe. Et merci, on a hâte de voir ce qui arrive pour la suite. Et on se quitte avec Traître 1, c'est parti. À 12 ans j'ai tapé mon premier cartable. On m'a niqué avec un pétard dans mon cartable. Mon grand frère m'a dit t'es pas un homme si tu parnaves. Et vu qu'on a peur de rien on a lâché aucun blaze. J'aime quand y'a de l'action, y'a que ça qui fait bander. Trouve-moi en bas du hall avec mes trafiquantes. On veut tous la recette, rien à foutre du succès. Mon cul dans le A7, j'suis cagoulé ganté. Rien à foutre de tes putains de vacances à Keshmara. Le jour où t'es plus là on dira bon débat. T'es comme le 24K, t'es une chèvre égarée. T'as sauté sans para, t'étais pas paré. D'après les dires de certains j'suis un voyou fictif. J'pourrais te niquer ta mère si tu joues trop les 50. J'vais baiser le game et c'est affirmatif. Fait par ma j'ai Mox, non, pas des 50-50. Ça va partir en bain de sang, efficace comme un bain de sang. J'ai des frères à Marseille, pour ça que je prends l'accent. La Galachirus, le tireur et beurre, le T-Max de Yam, cours vite si tu es dans l'axe. À part le tout-puissant héros, j'ai peur de personne. Et si je t'aime pas, on va pas tergiverser. Je me sais tout le monde, j'attends que mon heure sonne. Eux ils font comme tout le monde, ils attendent de percer. Dans ma ville, ça jazz, dans mon hood, ça tire. Si la haine t'attire, à toi de faire les jazz. Ils savent pas qui m'inspire, au fond de moi, je les baisse. Et comme dirait un Yankee, envoie vite ton pèse. Ou je te nique ton père et je te prends la recette. Je suis marocain et fier comme le sommet des Z. Armé de savoir comme les soufis du désert. Viens pas étaler ta science, déterre depuis des BZ. On va pas se mentir, ils nous aiment pas trop. Alors si on fait pas partie de la même patrie. Allez leur dire que c'est nos darons les patrons. Et que s'ils nous aiment toujours pas, qu'ils nous fassent une gâterie. Ils ont leur place en enfer, je vais la mettre au paradis. Phénomène au mode, pourquoi tu me baratines? Starfallah, t'as vu ce que le gars dit? Je me souviens encore de ce que me disait Aladdin. Quand la vie est une pute, t'as en tête le macro. Le respect, le pouvoir, l'argent, on est accro. Révolutionnaire, Fidel Castro. Tu veux une guerre? Ok, pas trop. Je te préviens, mon ami, y'a pas de retour en casse d'aide. On va faire le boulot efficace comme un casse-belle. J'ai garé le soum-soum, on est bloqué en traître. La mort a mis du gloss, ouais, couleur pastel. Sparrow HTP. Pour tous les fêtards, la famille. Grosse dédicace au Famous. C'est au Famous que ça se passe, la famille. Tous les week-ends, grosse ambiance là-bas avec MC Flash, MC Bob, MC Black Max, MC Black Max, DJ Malakai, voilà. DJ Yass, tout se passe là-bas. Donc tout se passe là-bas, la famille. Le Famous Club à Kell. Donc voilà, pour tous ceux qui écoutent, c'est là-bas que ça se passe, la famille. Ça marche. C'était un big up que tu voulais faire et que t'as zappé de dire avant. C'était un big up que je voulais faire et que j'ai zappé et qui était très important. Est-ce qu'il y en a d'autres, genre un cousin, une cousine, la daronne? Écoute, franchement, peut-être. Et il y a ton oncle que je connais. Mon oncle. Oui, ouais, je le connais. Donc on va lui faire une dédicace à Tonton Albert. Tonton Albert, Tonton Albert, ça fait plaisir. Bah merci Sparrow et bonne continuation. On va continuer la playlist locale jusqu'à 20h. On reste sur Strasbourg, on reste à Strasbourg, c'est avec Hypnose, H-Y-P-N-O-S, avec le son Hypnotisé. C'est parti. Ouais.
Richie on the beat. M'envole vers la Havane, faut que je change de canal. Solo, je me pavane, sous le pull un gilet pare-balles. Paire de Dolce Gabbana, je les découpe au katana. J'ai quelques refs au car plat, moi je veux le dollar la plata. On m'a dit le succès n'y pense pas. A hypnose ne rêve pas, mais à hypnose elle laisse pas. Personne ne me blessera, aucun de vous me baisera. J'plane dans le Tesla, si Aja on te quêtera. Si tu suis pas on te laissera. Minuit, minuit, minuit dans le bus. Me serre pas la main, non, non, j'suis pas ton zinx. Prends la fusée, nigga, si tu veux m'atteindre. J'ai la vision nocturne sans lumière, je peux t'éteindre. Yeah, 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 hypnotisé. 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 Je reviens de Mexico, le ventre plein de burritos. Je fais les bacs comme Migos, pas besoin de nouvel amigos. Je n'ai aucune limite, elle kiffe bien mes gimmicks. Je rêve d'une tonne de liquide, je rêve d'une tonne de victimes. J'arrive par le ciel, comme Spider-Man. Elle veut mon oseille, moi je suis pas Gucci Man. Le sang coule dans mes veines, mon père est marocain. La lionne est marocaine, force à toutes mes africaines. You know, you know, you know what I mean. Dans le club, all eyes on me. Fumer, fumer, fumer que de la weed. J'suis dans ma sphère, tout est carré, tout est clean. Si tu veux m'atteindre, j'ai la vision nocturne mais sans lumière, je peux t'éteindre. Yeah, 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 hypnotisé. 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 Hypnose, H-Y-P-N-O-S, ça vient de Strasbourg et justement on reste sur Strasbourg avec Achille avec le son, ça vient pas de Paris, c'est clippé sur YouTube, c'est parti, on s'écoute ça. On me dit que j'ai changé, 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 on me dit que j'ai changé. Je n'ai pas changé, fréquenter les mecs comme toi, c'est se mettre en danger. Si je te contacte pas, viens pas me déranger. De faire du mal, parfois je suis tenté. J'ai trouvé une putain de mélo, un Bélinger. Combien comme moi rêve de se poser dans ces beaux quartiers. Loin d'être dandy, mais je suis un mec entier. J'ai bien écouté, tout le monde mentait. Je suis capitaine du navire, viens me voir. Oublie ta cocaïna. Hola ma chérie, c'est moi. Oublie ta cocaïna. Ça vient pas de Paris. Pas de Paris, ça vient pas de Paris. Y'a pas de Paris, ça vient pas de Paris. Pas de Paris, ça vient pas de Paris. Pas de Paris, ça vient pas de Paris. Tu veux savoir ce que je donne, moi l'heure et l'endroit. Si tu me vois accompagné, c'est sûr que c'est un bon gars. Ça parle de toi quand t'es pas là. Le temps que tu réalises, il sera trop tard. Et je m'éloigne de vous pour ne pas vous ressembler. Je vous ai fait confiance, vous m'avez mis de côté. C'est pas la peine de revenir après tant d'années. Je vais tout donner. On arrive en douce, on va faire bouger ta landa. Des mélodies de fou, même des ennemis sont corda. On va réussir, t'auras le seum comme Jaja. T'inquiète, on est cool, c'est lourd, faut que tu partages. Ça vise la capitale, moi je suis fier de ma ville. Des talents, y'en a grave. Pourquoi t'es pessimiste? Promis, je me plaindrai pas. Ma force, elle vient d'ici. Y'a assez sur la table, pas de méchanceté gratuite. J'ai compris que j'allais pas changer le monde en criant bang bang. Que je pouvais pas remplir mon cœur si j'avais tant de haine. Ça va bosser toute l'année pour sortir tous les week-ends. Faudrait relativiser, on est loin de la misère.
Je trouve pas de réponse sans remise en question. Loin de la maison, des conseils du daron. Et sans le son, j'aurais fini dans l'ombre. Les gens tombent parce que les gens sont imparfaits, prétentieux. Pour eux, t'es n'est qu'un jeu. Vice-là, ego, pirate, mytho. Je suis parti chercher le magot. Tu m'entendras plus sauf à la radio. On a rien sans rien, allez viens je vais te faire danser. Et si ton mec est là, j'espère qu'il n'est pas rancunier. Ah chérie, si tu veux, on peut faire semblant de t'ignorer. Mais c'est le destin qui décide, je crois bien qu'il nous a condamnés. Capitaine du navire, viens me voir, oublie ta cocaïne. Oh la ma chérie, c'est moi, oublie ta cocaïne. Ça vient pas de Paris, ça vient pas de Paris. 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 Y'a pas de Paris, ça vient pas de Paris. Pas de Paris, ça vient pas de Paris. Pas de Paris, ça vient pas de Paris. Non, ça vient pas de Paris, ça vient de Strasbourg. C'est Achille avec le son, vous l'avez deviné, ça vient pas de Paris. Clippé sur YouTube, on va rester sur Strasbourg, mais c'est un clip qui a été fait aux États-Unis, c'est la grande classe à Dallas. C'est Bessinski du groupe Static avec le titre Allure, c'est plutôt pop rap, mais il y a quand même un bon gros couplet rappé, c'est le deuxième, ça passe crème, on s'écoute ça. C'est l'allure qui nous fait vivre. C'est l'allure qui nous fait vivre. J'peux pas revenir en arrière. Très beau morceau de Bessinski, B-E-2-S-I-N-S-K-I sur les réseaux sociaux, il fait partie du groupe strasbourgeois Static. Et Ophélie, tu voulais dire un truc sur le son qui vient de pas passer du tout. Magnifique. Pas du tout. J'apportais une information de la première importance, elle était d'ordre sportif. Le Racing, qu'est-ce qu'il a fait?
Le Racing s'est incliné 1-0. Retourné de Neymar. Neymar voilà. En plus. Bah, voilà. Ça... Voilà. Oh là là, dégoûté. Mais après, il aurait dû partir. Mais bon, après 1-0. Fait voler. 1-0 là-bas, franchement, c'est comme une petite victoire un peu déjà. D'accord, on est d'accord. PSG quand même en face. Grosse force au Racing. On va continuer la playlist locale avec le groupe alsacien Frappa Gang avec BDL comme Bouge de là. À la prod, c'est J-Sense. C'est parti, on s'écoute ça. Ça vient de sortir cet été, comme tous les sons que vous écoutez depuis le début de l'émission. J'entends les groupies crier ça trois fois. Flow, des tréfonds, tu éterres si t'es fou. Écoute bien, je remplis les fonds de caisse, toi tu le touches. Je rabaisse le bas de caisse, le soleil se couche. Ta mère le dodane, les putes se dandinent, tes potes ils détalent. Donc toujours en place, cousine. T'as senti l'effet d'un K47 quand je débarque sur le beat, je filerai pas à l'anglaise. L'euro est au max, toi t'es tout pèse. Quand je fais des remarques, toi tu te vexes. J'aime dans la dodge avec Père d'Air Max. J'ai tous les balles, c'est un pas si je pèse. Je drift, ça glisse plus qu'avec la wax. Frappe à galère dans tous les domaines. Le son démonte, le groupe émane. Même si on perce pas cette année, ce sera la prochaine. Partir les poches pleines sera l'objectif. Grâce au concert et au stream. Tu crois qu'on dort, nous on trim. On vise le disque d'or ou platine. L'équipe toujours à l'heure pour la prime. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Cogite. Tout est prévu. Frappe au top, vous êtes prévenu. Faudra ralasse mon pote. Ramasse la note que la somme rembourse mes études. J'avais un objectif, mais je sais plus ce que c'était. Maintenant mon projet de vie, faire des scènes tout l'été. Hey, coupe le wa que j'ai sous les pieds. J'ai monté les marches pas pour vous épier. Je peux pas tout laisser passer. Il a retenu mon blast, il sera pour les plaies. Bouge de là, c'est ma scène. Ride sur boulevard, j'oublie tout le mal de la veille. Quand je découpe la prod au coup de là, j'oublie où se cache ma haine. Non, ça n'est pas non quand je te conseille de pas monter dessus. Attention, on n'a pas besoin de mettre en homme, sauf que t'es sur la bonne mesure. Bouge de là, c'est ma scène. Casse-toi de là, c'est ma scène. Bouge de là, c'est ma scène. Descends de là, c'est ma scène. On veut cacher chaque semaine. Mais pour qui c'est wax, c'est pas trop possible pour qu'on se casse de scène. Mais pour qui c'est wax, c'est prêt. Salaud là, ça nous appartient. Monte pas dessus. On a tenu plus d'une heure, car au Larsen tout ça parvient. Ta musique je trouve ça pas bien. Bouge ta catin contre 4 mesures. Car au master s'il y a pas de lin. Fonce garde sur toi, vision terme. Enferme les vestes dans une prison de pierre. J'vide mon verre et ma barre de HP. J'pète ton zaï sur ma part de marché. J'traîne en ville mais je suis pas d'ici. J'ai l'envie et je compte pas finir. Comme face au bras qu'est pas famille. Mais tu prends les choses quand tu pisses prends les chauds. Personne n'est qu'il on attend la paye mec. Tu viens dans les gîtes, mélanger qui n'en part quand la terre ferme. Trop fond ce garge quand font les doses. Évitons les fautes, tu me demandes toujours qui sont les voix. J'suis dans la kiff, j'm'allume une tige. Rabat ma prix, SO86, SOG, SO Cédric. Je ne veux ni soulève une scène en équipe. Pas cacher sa vie, j'vais pas vendre du shit. J'vais pas décevoir ma mère. J'préfère faire des gros hits, ça rapporte plus que ma son à long terme. Ça tourne dans les rues de la ville. J'repense aux coups durs de ma vie. En bas j'ai entendu que ça drift. Dans le kick son j'ai entendu que ça tire. Pan, pan, le daron de mon pote s'est fait descendre. Et ce mon gars qui a pris 2 ans. Si on fit, j'prends juste le B. Et je partage avec le sang. Là ça n'est pas non quand je te conseille de pas monter dessus. Attention, on n'a pas besoin de mettre un homme sauté sur la bonne mesure. Bouge de là, c'est ma scène. Casse-toi de là, c'est ma scène. Bouge de là, c'est ma scène. Descends de là, c'est ma scène. On veut cacher chaque semaine. Mais pour qui c'est wax, c'est prêt. Faut tous les coups qu'on se casse de scène. Mais pour qui c'est wax, c'est prêt. Si Navidus prend et pas Navidus garde. On a fini qu'on se casse juste devant le square. Au dessus d'une escouade, on rêve d'espace. Pas de m'espace quand j'ai pris drogue douce. Si je tire une tasse, même ta go tous. T'as pris une baffe et t'avoues tout. Tu sais la route tourne, tu peux lâcher le frein. Tu perds assurance quand t'entends le refrain. Ne sens pas viser même si t'as pris une balle. Rentre chez toi, tout ira mieux demain. La nuit pense conseil, les conseils sont précieux. Au point qu'en perdre ce serait malheureux. Oublie pas tes principes, ce serait dangereux. On joue avec quoi, on se fout de qui. Les fous rires de nos jours ne sont que des moqueries. T'es entré dans ce jeu et t'as fini meurtri. Est-ce que tu veux skier? La technique des couplets dans lesquels je m'exprime. Plus chaud maintenant, normal. Je touche plus à la résine. J'ai plus d'air quand je respire. Gars, je reste clean. Sauf bien sûr quand je suis ivre. Vive mon équipe et fils ton éthique. On vise tous tes jeans, mais fils tous ces types. Bitch, remue ton queer. Même si c'est bien, je te paye. Ah, vite, nous faut qu'on perce. Tout pour blinder le PayPal. Bitch, sors dans ton fer. C'est qu'un jouet, ton pétard. Le vrai, il est dans mes textes. Et à son père, je les pétard. Adaptatif quand je mate ma cible et la rage m'anime. Faut que je rafle la mise, moi le rap je l'assiste. Ma place mon petit et ma lame j'assigne. Quand il s'agit de guetter la cime ou de garder ma somme, j'tarte et j'assomme ceux qui touchent à mon cash et ma sauce. J'dis ça cache, je l'assume, j'tiens trop à ma maille, ma tue. Là ça n'est pas non quand je te conseille de pas monter dessus.
19h34 sur les ondes de Radio RBS, vous êtes toujours dans la première édition de la saison 2 de Hip Hop From Alsace, l'émission qui met en avant le rap et le beatmaking de la région alsacienne. Ça c'était le Frappa Gang avec Bouge de là. Et on va passer à un artiste strasbourgeois cette fois-ci, on reste sur Strasbourg. C'est JAB avec son dernier clip Serre-moi qui est très très fort, ça a été clippé à une gravière, un truc comme ça. En tout cas ça passe bien, c'est un son d'été, on s'écoute ça. J'ai passé l'âge de faire comme si les ravages du temps n'avaient pas prise. La faucheuse rôde dans les parages, on s'habitue, c'est ça le pire. De poussière à poussière, de poussette à cimetière. Poussez pas, y'en aura pour tout le monde. Très peu de risque de trouver le temps long. Allez, serre-moi, resserre-moi dans tes bras. Serre-moi un verre si tu préfères, c'est déjà ça. On est là, on picole et puis après on gerbe. On est là, on rigole et puis demain on crève. Allume un cierge, frère, resserre un verre. Y'a toujours du sperme de love ici, c'est élémentaire. Toujours du sperme de love, toujours du sperme de love. On est là, on picole et puis après on gerbe. On est là, on rigole et puis demain on crève. Allume un cierge, frère, resserre un verre. Y'a toujours du sperme de love ici, c'est élémentaire. Toujours du sperme de love, toujours un pack de bière. Si t'as besoin d'une épaule pour pleurer, viens, tu le sais bien. J'aurai toujours une blague à la con à te raconter, tu le sais bien. Ta morve est sur mon pull, je vais te marave. C'est dégueulasse, c'est quoi ce filet qui coule? C'est de la bave? On fait de son mieux avec ces vieux. Je te fais la tête, je te fais ta fête. Après, je m'en veux. Des fois, c'est vrai, qu'est-ce qu'on est bête et prétentieux. On se prend des vestes et c'est tant mieux. Va te faire foutre, Gab. Ferme ta gueule un peu. Allez, serre-moi, resserre-moi dans tes bras. Serre-moi un verre si tu préfères, c'est déjà ça. Visage pâle, yeux rougis par les cascades. Tout plein de jolies métastases. Mille façons de bouffer l'asphalte, en bref. Faut continuer, faut se battre, banalité fade. Mal à trouver le calme intérieur. L'acceptation, matelas imbibé de larmes. Ce soir on allumera un grand feu. Ouais, ce soir on allumera un grand feu. On est là, on picole et puis après on gerbe. On est là, on rigole et puis demain on crève. Allume un cierge, frère, resserre un verre. Y'a toujours du sperme de love ici, c'est élémentaire. Toujours du sperme de love, toujours du sperme de love. On est là, on picole et puis après on gerbe. On est là, on rigole et puis demain on crève. Allume un cierge, frère, resserre un verre. Y'a toujours du sperme de love ici, c'est élémentaire. Toujours du sperme de love, toujours un pack de bière. Allez, serre-moi, resserre-moi dans tes bras. Serre-moi un verre si tu préfères, c'est déjà ça. Allez, serre-moi, resserre-moi dans tes bras. Serre-moi un verre si tu préfères, c'est déjà ça. C'était JAB sur ABS, le Strasbourgeois, bien sûr, avec son dernier son. Serre-moi, on va passer à Inchai maintenant, From Alsace, du 67. C'est A15A avec son dernier son, In The Night. C'est plutôt soul hip-hop, comme ça. Ça passe très très bien, belle voix. En tout cas, on s'écoute ça, c'est parti. My plight, my madness, I seek forgotten. It's alright, I feel light tonight. I see what I want to describe. Reflects of colorful spotlights. It might rewrite the inside of night. In your body lights, it might be sad. The foreign sight of appreciable twilight. It might rewrite the inside of my desirable delights. It might recite the foreign sight of appreciable twilight. In the night. In the night. In the night. I fight my tiredness.
my madness. I seek for gladness. It's alright. Life delights tonight. I see what I wanna describe. Reflects of my love spotlight. Sight of a precious twilight, it might rewrite the insight of my disabled delights. It might recite the forest sight of a precious twilight. A15A ou E15A sur les réseaux sociaux. On va continuer du côté Strasbourg avec Osaka et le son énergie. C'est très énergique, vous allez voir. Ça pète bien Strasbourg. À ce que je déteste, ceux qui me détestent veulent me ressembler. Le corbeau est travesti en colombe, ma personne est occultée par son nom. Hey, je renais à chaque fois que je mets un pied dehors. Je m'endors plus fort que Thanatos et Kratos. Comment faire confiance à tous ces négritos? Ils ont plus de facettes qu'un putain de centaure. Hey, question posée à l'Olympe aux enfers. La réponse est je te déteste et donne-toi du coup. Je préfère avoir le paradis sur la terre. Hey, tu pensais que j'étais un humain des naïfs. Et je suis sorti de nulle part comme Kylie. Dans le monde des hommes, le paradis se paye. L'Eldorado veut t'embrasser, mais il veut te rouler des pelles. Je lui ai dit que j'ai besoin d'elle et que la vie se monnaie. Que le ciel est plus que rempli, mais qu'il y a trop de monde qu'à l'appel. Énergie, 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 énergie. Énergie, énergie, miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est le plus chaud ce soir. C'est eux qui ont les grosses bouteilles. Y'a que sur Insta qui sont modèles. Indépendant, je suis plus heureux. J'ai rien demandé comme les arias. M'entraîne à mourir en dormant. Je me lève plus chaud que la veille. Hein. Donne-moi ton cœur que je le raye. Tu l'es fait qui m'appelle Ray. Donne-moi le feu sous quand je crie hey. Moi je t'élève, lève des têtes. Donne-moi ton cœur que je le raye. Tu l'es fait qui m'appelle Ray. Donne-moi le feu sous quand je crie hey. Moi je t'élève, lève des têtes. Et puis dans le monde des hommes, le paradis se paye. L'Eldorado veut t'embrasser, mais il veut te rouler des pelles. Je lui ai dit que j'ai besoin d'elle et que la vie se monnaie. Que le ciel est plus que rempli, mais qu'il y a trop de monde qu'à l'appel. Énergie, 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 énergie. Aïe aïe aïe, c'est chaud 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 patate, c'est Osaka, O-S-A-K-H-A sur les réseaux sociaux avec le titre Énergie qui est clippé sur YouTube. On va passer à un style un peu plus tranquille, un peu plus posé avec Joe Tizzy. Tizzy c'est T-2-E-Z-Y avec son dernier épisode 4, Cache Misère. J'apprends ce qui te fait peur. L'apprentissage est dans la douleur. Le portefeuille donne la couleur. Boule pépère, aucune pitié comme couleur. Plus terre à terre qu'un cyber. Faut que je résiste, même porte la filière. Tout l'été, ouais, j'ai visière. Ce qui me donne l'ombre, c'est la visière. Hey. Bébé, je t'en prie, me dis pas je t'aime. Je veux pas de tes sentiments.
Je partirai comme je suis venu, comme un vampire derrière le soleil devant. Tu diras que c'est ma faute, que je suis comme les autres. Bébé n'attend pas de rose. On s'est pas fait de promesses, mes pensées vont pour maman euro. Je veux l'argent comme cash, misère me paraît de la tête. Je m'arrêterai que quand je serai couché six pieds sous terre. Je veux l'argent comme cash, misère me paraît de la tête. Me paraît de la tête. Je veux l'argent comme cash, misère me paraît de la tête. La vie m'a donné des épaules solides. Majeur en l'air levé pour la police. Si tu des enfants de 14 ans, si je passe à la barre, je veux l'avocat d'O.J. Simpson. Dans la vie j'ai pas eu de chance. Fus mes actes avec le diable je danse. Le seigneur qui me dit tiens bon la rampe. Me sourit de la maman en guise de lampe. Dans les ténèbres, dans ma zone. Y'a plus de rêve, j'ai carton jaune. Y'a plus de règles. J'veux l'argent comme cash, misère me paraît de la tête. M'arrêterai que quand je serai couché six pieds sous terre. J'veux l'argent comme cash, misère me paraît de la tête. Me paraît de la tête. Je veux l'argent comme cash, misère me barrer de la tête. Jotizi et Strasbourg avec épisode 4 Cache Misère. Et on rappelle que tous les sons passés, on peut les retrouver sur le Instagram Hip Hop From Alsace, bien sûr. RBS à Strasbourg sur 91.9. On va continuer avec un Strasbourgeois, mais qui est en ce moment en voyage. Je crois qu'il est du côté du Québec en ce moment. C'est Nebiu, N-E-B-I-U, avec ce son. Ça s'appelle juste ce son. Voilà, on s'écoute ça et c'est bientôt clippé sur YouTube. Ça passe bien. J'ai les souvenirs qui partent. J'ai les souvenirs qui se battent, qui se battent en duel. J'ai les souvenirs qui partent, qui partent. J'ai les souvenirs qui se battent, qui se battent en duel. J'ai les souvenirs. J'ai les souvenirs. Mes souvenirs t'embrassent encore quand j'ai ce son qui passe entre mes oreilles. Dur de retenir ses bras encore dans les abîmes du monde, c'est toi qu'il recherche. Mes souvenirs t'embrassent encore quand j'ai ce son qui passe entre mes oreilles. Dur de retenir ses bras encore dans les abîmes du monde, c'est toi qu'il recherche. J'ai les souvenirs qui partent doucement, puis reviennent d'un coup quand siffle ma soupape. Les pages se tournent doucement, le temps nous met des gifles ralentis, dont la violence aide à sortir de ce cycle de spleen, de la redemande pour dégeler la glace qui ne font pas dans mon ventre. Faudrait l'entailler pour toper l'hémorragie. J'aurais jamais pensé garder autant de choses, rire aussi jaune. Faut que je revienne à la vie, l'hémorragie pas. Je suis le seul membre d'un équipage qui se mutine. J'aimerais que ça change, mais ça changera pas, du moins pas maintenant. Pas de chance d'attendre et que le temps passe plus rapidement. Je peux rien faire d'autre, attendre une autre crise de toi, un peu moins grande jusqu'à la goutte d'eau. Plus d'excuses ni le message, non, c'est plus facile sans raison. Souvenir t'embrasse encore quand j'ai ce son qui passe entre mes oreilles. Je pas de tes yeux. Pas jouer à cache-cache, conscience noyée dans un nuage de cache-cache. Tire ses bras encore dans les abîmes du monde, c'est toi qu'il recherche. Autour de le temps passe, passe, amenuse la mémoire dans la menuse, serai jamais ne casse-casse. Mes souvenirs t'embrassent encore quand j'ai ce son qui passe entre mes oreilles. À chaque fois, c'est dur de retenir ses bras encore. J'ai les souvenirs qui partent, qui partent. J'ai les souvenirs qui se battent en duel. J'ai les souvenirs qui partent. J'ai les souvenirs qui se battent en duel. J'ai les souvenirs qui partent.
Le Strasbourgeois Nebiu, N-E-B-I-U. Dernier son avant de se dire au revoir, on va s'écouter Lonjo qui vient de sortir un projet. Et là, c'est le feat qu'il y a sur ce projet avec Jim Beam qui s'appelle Sharingan. RBS. George Sharingan, chef de famille George Charlingals. Je vois les qui se détournent dans la mégane. Je vends de la gueule de roche, je suis dans le sale side. Ramata bien pas t'asseoir. Le Burberry cousa c'est de la soie. Faut que tu saches que je me bute tous les soirs. Quand elle veut de l'attention, bah moi je me tape des barres. Eh, multiclonage quand elle parle d'amour. Logique j'ai des plaies au cœur. Elle, elle veut que je lui fasse la cour. Mais pour ça frérot j'ai trop d'honneur. Je me mélange pas avec ces putes. Je sais qu'un beau jour ils vont me baiser. Alors je me balade au Pinel dans le fut. Et y'a qu'avec mes gars pétasse que je suis soudé. Assez junkie frérot je vends la D. Toi tu veux de la queco, bah j'appelle mon gava. Toi je t'ai zappé parce que tu m'as gavé. On va braquer le game, c'est le ben des vagas. Que des rats de pile posés dans la vago. Le soir je marche, j'arrête pas de vaguer. Cette pétasse elle veut finir au télo. Mais j'ai grave la flemme, là je suis tissu béné. Le soir je rêve de faire la demi-tonne. Je suis la sacane, toi t'es qu'un demi-tonne. Ta meuf c'est un demi-ton, un putain fait des tonnes. Elle t'a pris pour un con, elle t'a pris pour une pute. Elle t'a pris pour sa pince, coup ce soir je me bute. Enfin je le rince, la huissie fait le poupa. Mais en vrai il est rincé, il fait le mytho. Il me raconte que des récits. Raconte que des récits. J'attaque, j'suis trop conçu. J'suis libre. Posé dans le canapé. Jim Beam. Waouh waouh waouh. C'est du coup. J'suis lit. Dans le canap, shit, y'a le temps qui me rattrape. J'suis toujours high, high. J'rêve d'un tas de clips et des grammes sur le mur. Notre truc est trop deep, donc on gravite avec méga sûr. Déconnecté, cette vie bizarre. Fuck vos métiers, moi j'veux faire de l'art. Atteindre le nectar sans être brûlé par la lumière des phares. Pas de paperasse, pas de paparazzi, ni d'heure de gloire. J'préfère l'ombre à la lumière, même si parfois j'peux en rêver. Mais sont sombres et j'en suis fier. J'ai presque rien à prouver, à part que personne n'est à la hauteur dans le secteur. Aïe 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 aïe, j'reste au-dessus et j'y demeure. Pas de faille, aïe. J'rapperai jusqu'à la mort, faut que j'y aille, aïe. Vu l'entraînement normal que j'suis fort et je crie, aïe aïe. Quand j'suis plus la fille, j'me crache, j'fais pas d'aïe, aïe. Que le temps passe plus vite que Flash. Lonjo avec Jim Beam sur RBS. RBS sur Facebook. RBS officiel. RBS officiel. Et voilà, c'est la fin de la première édition de la saison 2 de Hip Hop From Alsace. On est très très content de reprendre l'antenne, ça fait grave plaisir. On a été actifs sur les réseaux sociaux tout l'été hein, pour vous faire découvrir toutes les nouveautés, actu rap et beatmaking issues de la région alsacienne ou fait par un Alsacien à l'extérieur, comme dit, c'est le concept de l'émission. Et on commence doucement à se développer aussi sur le côté événementiel. Exact. Et tu vois, un peu exact, j'adore ce mot. Pourquoi tu dis pas le à la fin, le exact, tu vois? Alors, référence au grand détournement. Mais sinon je sais pas pourquoi en fait frère. Très bonne question. Qu'on cherche après en fait. C'est ça, on va googliser tout ça. En tout cas tu vas nous présenter un peu l'événement qui arrive à la culture. Yes, 25. Qui revient à la culture comme nous en fait finalement. On parle de Punchline. Punchline c'est un open mic à base de punch. À base de punch ouais. Tous les éditions Antoine le boss de la culture et peut-être même Johan mon rey vous font un punch original. Rayo, et il y a pas que du punch, il y a aussi des punchlines. C'est
l'idée. En gros, c'est un open mic, donc, mais pas forcément un open mic hip-hop tradi. C'est-à-dire que bien sûr, j'envoie un peu de boom bap et j'envoie un peu de trap au début, mais l'idée, c'est de vous faire rapper tous les MC et autres slammers sur des prods de sons sur lesquels ça rappe, mais qui sont pas forcément considérés comme hip-hop à proprement parler, à savoir la jungle, la du dancehall, la house, du UK garage, la grime, du dubstep. Enfin ouais, tous les trucs sur lesquels on a un peu péra, du breakbeat. Ça, c'est un peu la surprise chaque édition. Qu'est-ce que je vais avoir digué? Qu'est-ce qu'on va m'avoir envoyé? Les beatmakers, vous pouvez nous envoyer vos prods. C'est ça, c'est le but, c'est de faire, bon, j'allais dire, faire une partouze, mais on va peut-être se calmer quand même. Ouais, détends. Mais de faire une sorte de. Tout le monde propose des capotes, ensuite tu parles cash de cash, ça part en direct. Je suis complètement obsédé. Non, mais en gros, c'est de faire des liens entre les beatmakers et les rappeurs. Yes. Et les rappeuses aussi. Et, et les beatmakers aussi. Et bref, pour tout ça, pour dire que oui, c'est pour que tout le monde se rencontre et que, par exemple, un rappeur de Bichheim, il kick sur une prod d'un beatmaker de Schiltigheim par exemple. Et voilà, c'est le but, c'est de faire tout ça, des connexions, et ça se passe dans le caveau de la culture. Dans le caveau de la culture. On se retrouve mercredi 25, c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine suivante. C'est sur prix libre, c'est gratuit bien évidemment pour les MC. Si vous venez assez tôt, si vous venez au début de session, on vous offre un punch. Et enfin, on avait essayé en fin de saison dernière des showcases. Ouais. Et on continue cette année, et pour cette première édition, ça sera la bergerie qui sera là avec ma collègue Lou et son collègue dont j'ai oublié le blaze, mais je crois que toi tu l'as. Sneff, voilà, ils seront tous les deux là. Je passerai leur prod. On parle bien du grand à lunettes. Hein. J'en ai aucune idée, frère, je les ai jamais rencontrés. Avec pas mal de cheveux, il me semble. Il y a les cheveux, ouais, bref. C'est, ouais, c'est ça, en tout cas, ils ont de l'expérience en scène et tout. Ouais, donc ils ont fait le cabaret vert, c'est ça? Non. Non, pardon. Non, ouais, voilà. En tout cas, ouais, ils ont de la scène quand même. Je crois qu'ils avaient tenté le tremplin de décibule. Ils sont dans la pépinière aussi de l'espace Django. Yes, ils font partie des gars un peu établis, doucement. On les a pas mal passés la saison dernière. Il y a des nouveaux projets qui arrivent, mais c'est pas pour tout de suite. Si ça se trouve, ça sera pour la saison prochaine. Yes. Mais en tout cas, ils continuent de bosser. Voilà. Ça roule. Bah, rendez-vous mercredi 25 dans le caveau de la culture. 25 septembre, et toutes les infos sont disponibles sur l'événement Ponche, donc P-U-N-C-H, vous savez comment ça s'écrit, j'imagine. Et plus loin, L-I-N-E, Ponchline, le concept. Exact. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi pour cette première de la saison 2. Yes. On rappelle les réseaux sociaux, bien sûr, Hip Hop From Alsace, Instagram, YouTube, Facebook, on est partout. Mais le plus important, c'est quand même Instagram, c'est là où on est toujours actif au quotidien. Au jour le jour. Ouais. Beaucoup de stories, beaucoup de plein de trucs pour vous faire découvrir le rap et le beatmaking de la région. Merci Lucas, nouvelle recrue aussi un peu du mercato 2K20. Bienvenue Lucas. On fait un 2K20. Ah ouais, alors, 2K20. À l'américaine. Merci Shems. Et on fait un gros bisou à Phoenix et Ouch qui ont pas pu être là aujourd'hui, ils seront là pour la prochaine émission, et on vous fait à tous un gros schmouti. Pas grave pour le Racing, hein, ils ont essayé au moins 1-0, franchement ça va contre le PSG. Enfin, si j'ai les bonnes informations, apparemment il y a eu 1-0. Ouais, c'est bon, il y a eu 1-0, que je dise pas de conneries. Oh, en plus c'était par un joueur qui aurait dû ne pas être ouais, là. Ouais, Neymar le vendu, laisse tomber, de toute façon c'est pas grave. C'est même pas grave. En tout cas, on se quitte sur un son de Mulhouse, c'est Laisse Béton, justement Laisse Béton, le Racing, c'est pas grave, avec Smith Beef en featuring avec Zigzou. C'est deux rappeurs mulhousiens, c'est un son plutôt triste qui parle de rupture amoureuse. Bon, on se laisse là-dessus et on vous souhaite quand même un bon samedi soir. À suivre bien sûr Turn Up avec le OG Stan Smith et DJ Smooth, et on vous dit une bonne soirée à tous, à la semaine prochaine. Ciao. Bonne soirée, bisous. On s'est promis tant de choses qu'au final on aurait dû taire. On s'aimait pour de vrai, peut-être à l'envers. Beaucoup de paroles mais très peu d'actes, moi je sais plus où je vais. Toi t'as pas le temps d'en sortir, que t'es de retour dans ma tête. Je te déteste autant que je t'aime, je m'éloigne c'est mon choix. Ton odeur sur mes draps, j'en changerai tous les soirs. Tu fais partie de mes démons, faut que je m'éloigne c'est mieux ainsi. Face à toi j'ai plus les mots pour décrire ma maladie. La nuit je m'évade, dès c'est fini. Bless, moi j'en roule un joli. J'pèse le poids de toutes mes bêtises, babe. Et même si t'es un missile, la nuit je m'évade. Tout de c'est fini. Laisse, moi j'en roule un joli. J'pèse le poids de toutes mes bêtises, babe. Et même si t'es un missile. Laisse béton, 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 hey. Laisse béton, 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 béton.